troisième journée de championnat. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir à Camp Real pour suivre cette rencontre qui va opposer le Bergerac Périgord FC au SO Romorantin. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous. On a donc ce soir Julien à la caméra. Un match donc qui va se dérouler ce soir sur une pelouse de Camp Real relativement bosselée. Sylvain, certains joueurs s'en sont même pleins. À l'échauffement, donc on va effectivement bien vérifier l'état de cette pelouse qui va peut-être pas faciliter la tâche bergeracoise, mais Sylvain, on va donc présenter cette rencontre qui revêt une importance capitale peut-être pour Bergerac, évidemment pour les deux équipes, mais beaucoup plus pour les bergeracois qui se doivent absolument de l'emporter ce soir pour ne pas se laisser décrocher du classement. Et essayer évidemment de toujours espérer à un maintien. Et oui, puisque c'est Bergerac qui est derrière Romorantin et non l'inverse. Bergerac qui a 3 points de retard sur Romorantin qui peut revenir à hauteur en s'imposant ce soir. Les deux équipes sont en manque de confiance. Bergerac n'a plus gagné depuis 4 matchs. Romorantin reste sur 3 défaites. Donc des deux côtés, il y a de la pression, il y a de l'enjeu. On a envie de gagner. Est-ce qu'on aura plus envie de gagner ou plus envie de ne pas perdre? Ça, on va vite le voir dans les premières minutes. Malheureusement, lors des dernières sorties des Bergeracois à Camp Real, on a vu des adversaires qui venaient pour ne pas perdre plutôt que de venir pour gagner. Ça nous a donné des matchs relativement fermés. On espère qu'avec le retour du beau temps et des beaux jours du printemps qui ne cesse de s'approcher, on verra un petit peu plus de jeu et que l'on aura de belles occasions de s'enflammer ce soir. Alors, c'est vrai qu'il fait très bon ce soir sur Camp Real. Une bonne vingtaine de degrés, ça va peut-être jouer un rôle, Sylvain, qui sait, hein, de ces premières chaleurs du printemps. Et donc des Bergeracois qui sont restés peut-être sur une rencontre la semaine passée du côté de la Roche Vendée Foot, qui va leur laisser, ou qui leur a laissé un goût amer sur une défaite concédée à la 88e minute sur un but un peu casquette. Et Sylvain, évidemment, les Bergeracois se doivent de réagir ce soir. Même si on le sait, il est compliqué dans cette poule de s'imposer. Beaucoup de matchs nuls, tu disais, pour le Bergerac Périgord FC. Mais ce sont le type de rencontres que les Bergeracois doivent appréhender aujourd'hui d'une manière différente, en essayant évidemment de s'imposer et de trouver le chemin des buts, en l'occurrence des buts romorantinés. Et on va le voir un petit peu plus tard avec les compositions d'équipe, mais il y a des choix qui se font semaine après semaine, et du côté de Bergerac comme de Romorantin, les coachs cherchent des solutions. On espère toujours que les choses se déclenchent. Il reste encore du temps dans ce championnat, mais ça commence à presser. Il y a un mois de ça, on n'était pas forcément inquiet, surtout que Bergerac proposait des contenus intéressants. Un mois s'est écoulé, les contenus sont toujours intéressants, mais malheureusement ça ne s'est pas traduit par des points, et donc on a besoin vraiment d'avancer maintenant. 3 points sur les 12 possibles lors des 4 derniers matchs. Bergerac aurait espéré bien mieux, et avec juste une ou deux victoires de plus à domicile dans des matchs nuls où Bergerac est sorti avec beaucoup de regrets, la lecture du classement ce soir elle serait tout autre. La pénalité de 3 points, elle a un impact évidemment très très important aussi sur cette lecture du classement, puisque ça fait plusieurs semaines que Bergerac reçoit des adversaires qui sont à 2-3 points devant, mais avec une pénalité de 3 points. Et sans cette pénalité, Bergerac serait vraiment à égalité avec ces adversaires-là, et forcément ça obligerait les adversaires à se découvrir un peu plus. Là, ça les conforte dans l'idée de se dire qu'avec un match nul, et ce sera peut-être l'idée de Romorantin ce soir, avec un match nul, on maintient un adversaire direct derrière soi, donc c'est une bonne opération. Alors les Bergeracois qui viennent de rentrer au vestiaire, comme vous le voyez sur les images de Julien, et tu parlais du classement, Sylvain, on va jeter un petit coup d'œil justement à ce classement pour voir que Libourne caracole en tête de ce classement avec 35 points, suivi de près par deux autres équipes, le Paris 13 Atlético qui, on le rappelle, a été relégué de National l'année dernière, et un autre promu, le La Roche Vendée Foot, qui effectue un très très bon championnat cette saison. Quatrième derrière, Sylvain, on verra donc les Herbiers, toujours la valeur sûre de ce championnat, suivi lui aussi d'un petit peu plus loin par le Blois Foot 41, le Bourges Foot et Angoulême Charente FC. Toutes ces équipes se tiennent en 2 points.
Effectivement, et on peut même rajouter Romorantin, l'adversaire d'Arrec ce soir, qui est en égalité avec Angoulême. Il y a peut-être une cassure qui est en train de se faire entre les Herbiers 4e et Blois 5e. Les 4 premiers, Libourne, Paris 13, La Roche-Vendée et les Herbiers semblent se détacher pour le sprint final. Et ces 4-là se joueront la montée. Ils se tiennent en 4 points. Il reste encore 7 matchs à disputer, donc beaucoup, beaucoup de points à distribuer. 21, même un petit peu plus pour certaines équipes qui ont des matchs en retard. C'est vrai que pour Bergerac, c'est un peu plus compliqué dans la suite du classement. Derrière Blois, Bourges, Angoulême et Romorantin, on trouve Saint-Privé avec 25 points, Bergerac avec 23. De Bergerac avec ses 23 points à la 10e place, à Blois 5e avec 28 points. Il n'y a donc que 5 points d'écart, 6 équipes qui se tiennent en 5 points. Bergerac, sans sa pénalité, serait aujourd'hui 7e du classement, donc forcément une toute autre lecture que celle que l'on a pour l'instant. Mais la réalité des choses fait que Bergerac aujourd'hui est le premier relégable de cette poule, avec quand même un peu d'avance sur les autres adversaires. Trélissac qui a 18 points, donc 5 de retard. Saumur et Chinon 17 points et Angers 11 points. Et des Trélissacois, on le rappelle, qui seront quoi qu'il arrive relégués la saison prochaine, puisque... On vous le rappelle, ils ont demandé à évoluer en National 3 lors du championnat 2024-2025. Voilà, les joueurs se préparent. On est à peu près à une douzaine de minutes du coup d'envoi qui sera donné ce soir par M. Gazagne. On va y revenir. Et Sylvain, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur cette journée de championnat qui peut être intéressante à plus d'un titre, la 20e donc journée de championnat de National 2 avec trois matchs ce soir avec le Vendée Les Herbiers qui recevra la Range Vendée Foot. Et là, on va dire que c'est un duel vendéen entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Et deux équipes qui vont vouloir s'imposer, l'une pour continuer sa marche en avant, l'autre pour éviter de se laisser décrocher et justement rattraper son prédécesseur. On risque d'assister du côté des Herbiers à un mano à mano relativement intéressant, Sylvain. Oui, ça devrait être un match avec un rythme enlevé, puisque l'amorce de ce sprint final, les confrontations directes, elles coûtent énormément cher. On se rappelle des confrontations directes qu'avait pu disputer Bergerac il y a 2 ans dans son sprint final à la lutte à la première place. Ça sera un petit peu ce match-là que vivront les Herbiers et la Roche-Vendée ce soir. Ils sont séparés d'un point seulement et il y en a, on le répète, 21 à distribuer encore. Mais forcément, si par exemple la Roche-Vendée venait à aller s'imposer aux Herbiers au-delà de la performance de la soirée, ça voudrait dire mettre un adversaire indirect à 4 points à 6 journées de la fin. Donc pour les Herbiers, ça commencerait à se compliquer. Donc il faut prendre des points ce soir. Et ce match-là sera vraiment très intéressant à suivre entre deux équipes qui sont plus très joueuses. Donc le Bergerac Périgord FC et le SO Romorantin, donc match qui va nous intéresser ce soir. Et donc il faut le préciser, le Vendée Les Herbiers et la Roche Vendée Foot, c'est un match qui a commencé à 19h. Bergerac, donc Romorantin, va commencer d'ici une dizaine de minutes à 19h30. Et le Angoulême Charente FC Trélissac débutera à 20h. Et demain, les autres rencontres, donc le Blois Foot 41 qui sera opposé au Bourges Foot 18. Là aussi, Sylvain, une rencontre très très intéressante et une opposition qui risque faire des étincelles. Le FC Libourne recevra Saint-Privé Saint-Hilaire pour défendre sa place de leader et rester aux commandes du classement de National 2. L'Olympique de Saumur tentera de contrarier les desseins du Paris 13 Atlético. On le voit, hein, Sylvain, le Paris 13 Atlético en grande forme ces derniers week-ends et qui avance à grandes, grandes enjambées. Donc, faux pas interdit pour les Libournais, encore moins pour le Paris Atlético. Et enfin, dans un duel de mal classé, l'Avoine Olympique Chinon-Ciné recevra le SCO d'Angers. Voilà pour la journée de ce championnat et les rencontres qui vont nous intéresser. On voit nos amis Romorantinais qui commencent à sortir des vestiaires, alors tout de vert vêtu, leur maillot classique. Et on attend donc des Bergeracois. Peut-être l'occasion, Sylvain, d'aller faire un tour maintenant du côté des compositions d'équipe. Avec, on va commencer par les invités, la composition de l'équipe de Romorantin. Avec des noms que l'on connaît bien, parce que cette équipe de Romorantin, depuis maintenant plusieurs saisons en National 2, elle est quand même habituée à être très stable dans ses effectifs. Il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements, et le peu de mouvements qu'il y a eu concerne des anciens Bergeracois qui ont rejoint Romorantin ces dernières saisons. On commencera donc avec quelqu'un que l'on a l'habitude de voir dans les buts de Romorantin, c'est Johan Djidonou. L'indéboulonnable Johan Djidonou.
On aura ensuite, dans l'ordre des numéros, et comme vous en avez l'habitude, les numéros ne sont pas forcément faciles à lire pour ce qui est de le positionnement sur le terrain. On aura le numéro 2, Alex Marchadier, le numéro 4, Alexandre Castro, le numéro 7, Loïc Gagnon, le numéro 8, Benjamin Duvou, le numéro 11, l'un des anciens bergeracois de cette équipe, Guillaume Yenoussi, un ailier, le numéro 18, Maxence Lomonier, numéro 19, Nazir Correa, numéro 20, Jean-Baptiste Gérard, numéro 24, Ryan Ebenetala, défenseur central, autre ancien de Bergerac, et enfin le numéro 28, Johan Beaka. Et sur le banc, on retrouvera Noah Courtin, Adiouma Gueye, Jordan Popino. Tiens, ça peut surprendre, Sylvain, parce qu'on connaît la gâchette romorantinoise Johan Popino, qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Et on le verra, d'ailleurs, il fait partie des meilleurs buteurs de ce classement de championnat de National 2. On trouvera aussi Naël Arzalé et Geoffrey Adjé. L'équipe romantinaise est entraînée par Michael Villatte. A noter qu'au-delà de Jordan Popino, le deuxième meilleur buteur de cette équipe, Naël Arzalé, est sur le banc aussi. Donc les deux meilleurs buteurs de Romorantin cette saison sont tous les deux sur le banc avec 6 et 7 unités. C'est un choix du coach. Est-ce à dire que le coach préparerait une martingale pour cette rencontre? Allons savoir, on verra ça donc évidemment avec l'avancée de cette rencontre. On se tourne, Sylvain, du côté de la compo des Bergeracois, avec une compo relativement classique eu égard aux suspensions et autres blessures. Effectivement, avec Pierre Laborde-Turon qui sera dans les buts de Bergerac. Une défense où Sam Ducrot revient après sa journée de suspension. Il sera, comme d'habitude, accompagné de Mamadou Kamisoko et de Noan Husson. Il y aura sur les couloirs Steven Louyamboula à droite et Moussa Fati côté gauche. Un milieu de terrain autour de Christian Cheboao et Victor Elissalt. Et enfin, en attaque, Romain Escarpite, Daniel Glao, qui est titulaire ce soir, et Hicham Mlab. Et du côté des finisseurs, puisque vous les appelez comme ça dorénavant, on trouvera Lucas Dumé, le couteau suisse de cette équipe bergeracoise. On trouvera aussi Patrick Choutang, on trouvera Axel Tressens. Les finisseurs sont complétés par Nathan Ben Moussa et Neto. César Neto, voilà pour la composition. Les deux équipes, vous le voyez sur les images, on voit sortir le capitaine bergeracois Victor Elissalt et Sylvain Pierre Laborde qui effectivement a passé une sale soirée il y a une semaine du côté de La Roche-sur-Yon. Tous les bergeracois, je pense, sont à cœur de se racheter certainement ce soir. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est un point qui a été laissé en route et qui pourrait valoir cher. Donc on va évidemment se concentrer sur cette rencontre. Nul doute que les bergeracois vont devant leur public essayer de produire la meilleure prestation possible. Rapidement un tour du côté des buteurs, Sylvain, avec un changement à la tête de cette équipe. Avec Brandon Bokangou de Paris 13 qui en est à 10 unités avec Romain Escarpite, alors qu'il y a 9 ou 10 buts selon les différentes informations que l'on a dans la lecture de ce championnat national 2. Voilà, plusieurs sources, on n'est pas en Ligue des Champions, donc les sources peuvent parfois diverger. Brandon Bokangou qui est surtout très en forme depuis quelques semaines et qui est vraiment à l'origine de la montée en puissance de Paris 13 dans ce classement. Et ils sont donc suivis par Jordan Popino, Malik Sek de Libourne et Julien Charpentier de Blois. Un classement qui a fière allure. Voilà pour le cadre qui est posé pour cette rencontre. Vous le voyez, les joueurs s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. Une assistance ce soir un petit peu clairsemée, Sylvain, mais on le sait, le public bergeracois arrive souvent à la dernière minute. C'est comme ça que ça s'est passé lors des dernières réceptions. Après, malheureusement, on sait aussi que parfois les contre-performances font que l'on perd un petit peu de public. On espère que c'est juste une question de retard ce soir. Il fait beau, il fait chaud. Peut-être que voilà, le public attend un petit peu avant de rejoindre Camp Real. Voilà les bergeracois qui vont donc se mettre sous les ordres de Monsieur Gazagne. On n'a pas, Sylvain, parlé du trio arbitral. Oui, et on aura dans ce trio arbitral Yann Gazagne, arbitre central de cette rencontre, et il sera assisté sur les deux touches par Nicolas Rey et par Romain Kerr. Voilà, vous voyez Yassine Azaf sur les images de Julien
qui donc va rejoindre son banc et on espère que cette rencontre va peut-être différer, Sylvain, des autres rencontres qu'on a vues depuis un certain temps ici à Carréal, où il faut bien le dire, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Non, on a vu malheureusement à chaque fois le même scénario s'écrire avec Bergerac qui essaie de jouer mais qui a parfois du mal à exprimer son jeu face à des blocs défensifs bien placés et très bas, avec souvent des équipes qui se contentent du match nul et qui sur de rares occasions trouvent beaucoup d'efficacité, alors que de l'autre côté les Bergeracois manquent à la fois de réalisme et de réussite sur ces dernières rencontres. Voilà les deux équipes qui font leur entrée sur le terrain sous la conduite donc de monsieur Gazagne. Bergeracois et Romorantiné vont en découdre dans un match très très important. On ne le répétera jamais assez, des Bergeracois qui sont dos au mur, on peut le dire comme ça. Des Bergeracois qui ont besoin de 3 points ce soir pour continuer à espérer dans ce championnat. Et c'est vrai que on peut le dire aussi, c'est une équipe qui n'est pas forcément bien payée ces derniers temps par rapport aux prestations qu'elle produit. Malheureusement, c'est le football et il faut savoir s'en contenter parfois. Mais on espère que ce soir, eh bien là-bas... speaker Bergeracois est toujours en grande forme et on espère avec bien que la chance et que on va trouver rapidement le chemin défilé pour cette équipe bergeracoise. Voilà les deux équipes qui échangent et on va procéder au tirage au sort avec le capitaine Romorantiné, l'expérimenté gardien de but Johan Dijonou face au non moins expérimenté Victor Elisalt. Des joueurs qui se connaissent parfaitement pour le coup des deux côtés. On a quand même des joueurs d'expérience de ce championnat, notamment du côté de Romorantin où on le dit encore, mais il y a quand même des joueurs qui sont depuis de très nombreuses années dans ce club, un club qui est relativement stable en National 2 depuis 2008. Romorantin évolue dans ce championnat de National 2, cette 4e division. Bergerac qui est arrivé quelques années plus tard à aider des garçons comme Didonou, comme Gérard, comme Duvon sont depuis très longtemps à Romorantin, mais il y a aussi quand même des joueurs qui sont bien installés maintenant à Bergerac. On pense à Sam Ducrot, Pierre Laborturon, Victor Elisalt, Hicham Mlab qui sont depuis de très nombreuses années au BPFC. Sam Ducrot, il faut le signaler, qui était absent le week-end dernier. Premier match raté par Sam Ducrot, qui était évidemment suspendu et qui, depuis le début de la saison, a participé à toutes les rencontres, qu'elles soient des rencontres de championnat ou des rencontres de Coupe de France. Et il en reste un, c'est Mamadou Kamisoko, qui a disputé tous les matchs, qui est encore titulaire ce soir et qui n'a pas loupé une seule minute de match officiel cette saison. Voilà, le coup d'envoi fictif va être donné au centre du terrain. C'est une rencontre qui est sponsorisée par Opel Bergerac. Voilà, le coup d'envoi a été donné. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses entre Bergeracois et Romorantiné. Ce sera Romorantin qui donnera le coup d'envoi de cette rencontre. Pour un léger retard dans cette soirée. On espère que ça ne va pas trop non plus s'éterniser. Voilà, l'arbitre qui est dans son protocole d'avant-match. Et on va pouvoir lancer les choses. Allez, la déléguée va faire signe. C'est parti pour cette rencontre entre Bergerac et Romorantin. Allez, on cherche une profondeur. Didonou, on ne se pose pas de questions en allant sur Mamadou Kamisoko qui s'impose dans les airs. Le deuxième ballon, il est gagné par Romorantin. Miglao s'est bien replacé. Attention, Hicham Mlab. Allez, sur ces deux premiers ballons, Victor Elisalt a cherché les deux fois la profondeur. Une fois pour Escarpit, une fois pour Mlab. C'est-à-dire que ce sont les consignes du coach Yassine Azaaf. Peut-être mettre un peu plus de verticalité que lors des dernières rencontres. Alors attention, Loanisson, une tête dans le mauvais sens. Ouais, un ballon trop profond, sans problème pour Pierre Laborde. Et
des Bergeracois qui relance là-bas avec Moussa Fati, Sam Ducro. On fait tourner avec Mamadou Kamissoko. Steven Louyumbula qui écarte au maximum. Un ballon pour Daniel Glaou en profondeur qui va essayer de travailler sur son physique. C'est peut-être aussi là hein, l'idée de mettre Daniel Glaou titulaire ce soir, de trouver peut-être quelqu'un qui en impose un petit peu plus physiquement à la pointe de l'attaque pour mettre de la profondeur justement. Allez, remise en jeu. Et soulager Romain Escarpite hein, des efforts qu'il fait chaque soir. Ah, donc là, j'ai la remise de Romain. Attention. La première frappe, elle est déclenchée par Christian Gebao. Première frappe de cette soirée. Oui, c'est le jeu, hein, un pied gauche. Peut-être que Christian n'est pas forcément à l'aise sur ce pied-là. C'est pas grave. Ça sera une sortie de but. Mais au moins, l'action se termine par une tentative. Et c'est Yohan Dijonou qui va pouvoir relancer. Prendre un peu plus de prise de risque dans ces 30 derniers mètres. On le sait malheureusement, les Bergeracois, depuis quelques matchs, ils nous encaissent uniquement des buts splendides, hein, à chaque fois des frappes de 25-30 mètres. Donc pourquoi pas aussi prendre le risque de déclencher sur certaines actions, quand on est bien placé à 20 mètres, 25 mètres, des frappes de loin. Provoquer la réussite, aller la chercher. Alors que pour l'instant, Romorantin en bloc médian, mais laisse le ballon à Bergerac. Allez, Steven Louyamboula. Loan Husson, Mamadou Kamissoko qui va tourner là-bas avec Sam Ducro. Une paire de joueurs, donc on vous le disait, qui a fait la plus grande partie de ce championnat. Attention, mal contrôlé par Daniel Glaou. Attention, c'est ça va vite, hein, là, ça un va petit vite peu trop facile. Ouais. Heureusement. Moussa Fati s'est bien replié. Et l'infatigable Romain Escarpite qui est encore parti pour un long raid ce soir. Et les Bergeracois qui ont donc décidé de presser assez haut. Ouais, avec Daniel Glaou, Emlab, Escarpite et Ulysse Salt, les 4 sont au pressing et Djidonou est obligé de dégager loin devant. Mais attention parce que Gebao s'est fait lober. Attention, hors-jeu signalé par Nico Larré là-bas sur le côté gauche de la défense bergeracoise et ça sera donc une remise en jeu pour le BPFC avec Mamadou Kamissoko, Sam Ducro, Moussa Fati qui va essayer de remonter ce ballon et d'aller percuter. Ah, des ballons perdus. C'est suite du pressing, mais il y a un gros trou là derrière. Il y a un trou derrière. On voit déjà Yassine Azaaf debout devant son banc. On va essayer de placer au mieux ses joueurs. Sur le ballon dans le dos de Steven Louyamboula. Pas de problème. En vitesse pure, hein, compliqué de le prendre, Steven Louyamboula. Oui, il est solide en plus. Allez, ça va être un dégagement de Pierre Laborde. En direction de Moussa Fati, un petit peu isolé, et qui va essayer de trouver du soutien, mais qui perd le ballon trop rapidement. Et qui le récupère. Aïe, 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 c'est Victor Alissal. C'est rare, mais Victor s'est trompé. Attention sur ce... C'est Guillaume Yenoussi. Ouh là là. Ouh. Et but. Et encore une fois, un but casquette des Bergeracois. On va pouvoir le revoir. 5 minutes de jeu. Et un ballon qui est mal dégagé par la défense bergeracoise, qui est remis involontairement par le Hanusson. Et Pierre Laborde qui ne peut pas la capter. Voilà. Ah, ils sont 3 Bergeracois à toucher le ballon dans la surface. Un match qui commence bien mal pour les Bergeracois. Déjà mené 1-0 au bout de 5 minutes. Il va falloir réagir très très vite. Sur un ballon perdu bêtement par Victor Elissalt. Et puis derrière qu'on n'a pas pu contrer, qu'on n'a pas pu dégager. Premier but pour Romorantin qui ne pouvait pas rêver mieux. Si on commence à jouer comme ça, ça va pas le faire.
Et là, ça va conforter Romorantin dans son plan de jeu de la soirée, malheureusement. Ouais, et puis là, ça a plombé toute l'ambiance, hein, je peux vous dire. Ce but, encore un but gag, hein, Sylvain, à la limite, on peut le dire, hein, parce que c'était trop facile. Et Bergeracois qui pousse, qui essaye de récupérer ce ballon. Mais Romorantin, bien joué avec Victor Elissalt encore. Ouais, petite faute sur Victor. Plus sur l'expérience. Il va falloir que les Bergeracois réagissent très très vite pour éviter de gamberger. Oula. Ouais, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas dans le bon rythme, on va dire. Hein. Ça leur a mis un peu la tête dans le saut, les Bergeracois, là, ce but très rapide. Allez, on est reparti là-bas à côté droit avec Sam Ducrot qui allonge là pour Daniel Gao qui va essayer de conserver ce ballon et attendre un petit peu de soutien, notamment avec l'arrivée de... Ouais, c'est bien donné dans la surface. C'est bien joué encore une fois. On enlève le ballon de Christian Nouyoboula. Ah non, monsieur l'arbitre en a décidé autrement. Ah, alors l'arbitre de touche avait indiqué le corner. Ouais. Pas d'accord, monsieur Gazagne, qui a déjugé son juge de touche. Et donc, ça sera un renvoi au 6 mètres. Johan Dijonou, qui va prendre son temps. Bon pressing de Richard Memlav là sur la défense. Remise en jeu, Romorantin. Allez, Victor Elissalt qui tente de remettre un peu d'ordre dans cette équipe bergeracoise. Oh là 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 là, Sam Ducrot qui se trompe encore. Que de cadeaux. Ouais, bien revenu, ouais. Sam Ducrot lui-même. Bien revenu, mais ça prouve, Sylvain, qu'on n'y est pas. On n'est pas dans le rythme, on n'est pas dedans. Bien joué. Allez, bien joué. Christian qui va conserver ce ballon. Il va prendre appui derrière sur Richard Memlab qui va pouvoir la mettre. Non, qui lui remet. Allez, il faut essayer de construire. Et on revient à Madouka Missoko, non, qui a changé d'avis. Encore. Christian Gébouao qui va pouvoir s'appuyer sur Hicham Mlab, c'est mal donné. Hicham qui tente de la récupérer. Ah, il a touché dans les airs, c'est pour Romorantin cette touche. Non, c'est une touche bergeracoise, décidément. Loan Husson change de côté là-bas à côté. Sam Ducrot. Moussa Fati, Sam Ducrot à 2 contre 1. Sa fatigue qui tente de déborder là-bas son vis-à-vis et qui revient derrière sans trou. Elle est belle, ouais, dommage. C'est dur. Bonne sortie de Djidonou. Qui avait bien lu cette phase de jeu. Allez, relance courte de Djidonou. Romain Scarpit au pressing. Et Romorantin s'en sort très très bien de ce pressing propre au sol. Oui, ouais, parce que là, pour le moment, Bergerac ne pose aucun problème à Romorantin. Voilà, encore un ballon contré. Attention là, ils sont qui a reculé au lieu d'aller vers Yenossi. Heureusement que Mamadou Kamisoko annule cette attaque. Ah, on a trouvé une profondeur. C'est long pour Hicham, il court après le ballon. C'est long, c'est dur et il est tout seul surtout parce que personne ne l'a suivi. Il va falloir que les Bergeracois se remettent vraiment les idées dans le bon sens. Voilà, ah oui, parce que là, Romorantin joue à sa main sans problème. Guillaume aussi qui fait une faute sur Loan Husson. Pourtant, il est largement plus petit, Guillaume.
va essayer de basculer le jeu jusqu'à Moussa Fati. C'est ce que fait Sam Ducro. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur du jeu à Romorantin. On essaye de priver Elissal Tejebao du ballon. Et pour le moment, on y arrive bien. Il y en a trois. Oh là 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 là. Compliqué ce début de rencontre pour Bergerac. Il va falloir trouver des solutions pour avoir un peu plus de passes à l'intérieur du jeu. Pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Allez, Romain Scarpite, tout de suite, alors, qui alerte là-bas. Avec Moussa Fati, joué sur une touche. Mlab, qui va pouvoir alerter là-bas. Yoboula, comme d'habitude. Yoboula, il faut la taper. Ah là 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 là. Elle a été touchée, cette balle. Ah non ? Non, elle n'a pas été touchée, malheureusement. Voilà, quand on parle d'efficacité, d'être tueur dans la surface, c'était une vraie occasion là pour Yoboula sur cette passe d'Hicham Mlab. Mais la frappe, elle est complètement écrasée. Et c'est Dick Jonou qui va pouvoir se dégager. On l'a vu, si on met du rythme, si on joue juste, on peut effectivement inquiéter cette défense de Romorantin. Et là, voilà, il faut les gêner. Pour le moment, Daniel Glao qui essaye de revenir. Et oui, mais parce que à un moment donné... On l'a lâché. Là 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 là. Steven Nyumbula. La balle sera remise en jeu pour Bergerac. Mamadou Kamissoko pour la relance. Sam Ducro. Schéma bien connu. Romorantin qui est vraiment bien articulé dans son 4-2-3-1 avec beaucoup de joueurs à l'intérieur du jeu. Compliqué de trouver Elissal et Jeboao qui sont pris par 3 milieux de terrain action adverse. Et on a trouvé Louyoboula. Il a provoqué la faute. Certainement le... Comme toujours, il obtient toujours quelque chose, Louyoboula. Le fer de lance de cette attaque bergeracois, c'est lui qui provoque, c'est lui qui crée le danger. Et M. Gazagne qui avertit verbalement Alexandre Castro en lui disant attention sur cette faute-là, je ne dis rien, mais la prochaine fois. Ça donne quand même un bon coup franc que va tirer Hicham Mlab. Bon coup franc d'Hicham Mlab, dont on connaît la précision du coup de pied. S'appliquer sur ce genre de situation-là. Ce serait l'idéal pour remettre un petit peu les compteurs à zéro dans cette rencontre bien mal embarquée. Allez. C'est tiré tendu, premier poteau. Ouh, très très on bien peut tiré. Pas la couper, quel dommage. C'est Christian Jeboao qui n'a pas pu récupérer ce ballon alors qu'il était tout seul. Et ça n'est pas fallu de beaucoup. Attention à la relance romorantinaise. Voilà, là, il fait effacer trop facilement Loan Husson. Beaucoup trop facilement. Beaucoup d'expérience de Sam Ducro pour venir couper cette balle. Et heureusement. Et Romorantin. Attention parce qu'ils sont restés très nombreux devant Romorantin. Et long ballon. Voilà, mais pour personne. Et on a terminé avec ce premier quart d'heure de jeu. Vous êtes en direct sur BPFC TV, Radio Vallée Bergerac. Et des Bergeracois, vous le voyez sur les images, qui sont déjà menés et qui ont été menés dès la cinquième minute de jeu par un but un peu facile, on va dire ça comme ça, pour des Romorantinais qui n'en demandaient pas tant. Ah là, il y a une grosse faute de Loan Husson. Ce sera un carton jaune. Et le joueur de Romorantin qui a... contesté, en l'occurrence Jean-Baptiste Gérard, a pris lui aussi un carton jaune.
Et attention, hein, parce qu'on le sait, tant que le jeu n'a pas repris, l'arbitre a toujours la possibilité de modifier sa sanction initiale. On voit les joueurs qui en profitent pour se désaltérer. Il fait chaud hein, ce soir sur Camp Royal, Sylvain. Ah, ça fait 4 mois qu'il pleut et qu'il fait relativement froid. Donc les joueurs n'ont pas forcément l'habitude de jouer dans ces conditions. Donc des deux côtés, on voit même le gardien Djidounou qui est allé jusqu'à son banc de touche. Allez, il va se relever. Benjamin Duvoux. Cette faute un peu grossière qui a valu donc un carton jaune à Loan Husson, qui n'est pas dans son assiette hein, ce soir, Sylvain. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est déjà fait passer 2 fois très facilement. Prend un carton jaune à la 17e minute en espérant que ça ne va pas compliquer les affaires bergeracoises. Il est sorti en retard sur la première passe à l'intérieur du jeu. Derrière, il veut se rattraper, mais il est de nouveau en retard. Et cette fois, il touche la cheville de l'adversaire. C'est vrai qu'à hauteur de la ligne médiane, c'était une faute vraiment que tout le monde a vue assez grossière. On en restera à cette sanction de monsieur l'arbitre et d'un carton jaune. Tant mieux. Même si on a pris un peu de temps pour... Alors qu'il y a le fog qui semble tomber sur Camp Royal. Non, je vous rassure, hein, c'est quelques fumeurs invétérés qui sont juste en dessous de la caméra. Voilà, remise en jeu, c'est reparti. Allez, avec Romorantin qui va essayer de construire. Et oui, il faut monter d'un cran, il le dit, Chamem Lab, on est trop bas. Il ne peut pas assumer tout seul un pressing comme celui-là. On est bas. Et Romorantin qui tranquille. Attention là-bas avec Guillaume Yenoussi. Alors, jeu avait été signalé. Il y a eu 2 ballons chauds là dans la surface de Romorantin en quelques minutes. Malheureusement, Bergerac ne les a pas convertis, ces 2 ballons chauds. L'un sur cette frappe écrasée de Steven Louyoboula, l'autre sur ce très bon coup franc de Hicham Mlab, sur lequel Christian Gébouao est malheureusement un peu trop court. Attention là encore, Loan Husson, cette fois il s'en sort. C'était pas un cadeau la passe de Victor Elissalt. Romain Scarpite qui a décroché. C'est bon, c'est bien donné ça. Ça sera une touche pour les Bergeracois. Allez. Bergeracois qui essaye de construire là-bas côté gauche avec Moussa Fati qui essaye de se débarrasser de son vis-à-vis. Non, justement, il n'y arrivera pas. Et en plus, c'est un ballon que vont pouvoir relancer. Non, c'est récupéré par Bergerac avec Sam Ducrot qui essaye d'alerter là au milieu Daniel Glaou. Sans succès. Allez, il faut continuer ce pressing là. Pas les laisser à leur main. Allez, Sam qui va pouvoir faire passer avec Moussa Fati là-bas. Sa fatigue qui déborde. Ah, il éliminait 2-3 joueurs, malheureusement il perd le ballon. Et ça sera une touche récupérée par Bergerac. On joue la 20e minute de jeu, toujours 1-0. Pour Romorantin, un but marqué à la 5e minute de jeu, on vous le rappelle. Avec des Bergeracois qui étaient pas vraiment dans le rythme de cette partie à ce moment-là. Allez, centre de Sam Ducrot. Très bon centre de Sam Ducrot, dommage. Et Steven Luyamboula va pouvoir récupérer ce ballon et provoquer. Non, alors, ça va être Victor Elissalt là-bas. Transversal, ça n'est pas passé pour Fatih, mais Ducrot peut la mettre à Fatih sur le couloir. Ce sera hors-jeu, Moussa Fatih. Signalé hors-jeu par Romain Kerr. Décidément, il n'y a pas grand-chose qui sourit ce soir au Bergerac, quoi, Sylvain.
Non, même si on voit qu'ils essayent d'inverser les choses, mais quand on est déjà dans une mauvaise passe et qu'on a un scénario contraire qui s'écrit, forcément, le mental joue beaucoup. Et ouais, il faut arriver à se remettre à l'endroit, mais c'est compliqué, on le voit avec... Mais Loan Hussan lobé, et Mamadou Kamissoko qui... Il bouche les trous comme il peut derrière. Ah, ce qui faisait la force de cette équipe bergeracoise. On ne le retrouve pas ce soir. Daniel Glao qui se défait de son vis-à-vis, qui va pouvoir sortir avec ce ballon au pied. Il va pouvoir alerter Hicham Mlab. C'est coupé là-bas par Castro. Bien défendu. Mais on voit le bloc qui met beaucoup de temps à suivre cette offensive là de Mlab. Hicham Mlab qui alerte là-bas. Christian Jeboao. C'est le problème de ces ballons qui rebondissent. C'est compliqué. Il va falloir simplifier tout ça. Ouais, on avait l'impression quand même que cette remise en jeu était pour Bergerac. Mais non, monsieur Gazagne a décidé autrement. Allez. Les Bergeracois qui sont un petit peu coupés en deux par moment, hein, Sylvain. Oui, on a ces trois offensifs que l'on a... Pardon, excusez-moi. C'est trois offensifs que l'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Daniel Glao et Hicham Mlab, Romain Scarpit, qui sont souvent alignés. Ça manque peut-être un peu de décrochage de l'un de ces trois joueurs. Et on a du coup Christian Gibault, Victor Ilsalt dans l'entrejeu, qui sont très très loin des trois offensifs, bloqués un peu sur la ligne d'attaque, là, sur la défense adverse. Alors que Jeboao et Lissalt sont complètement coincés à l'intérieur du 4-2-3-1 de Romorantin. Allez, Hicham Mlab qui fait pas mal d'efforts pour trouver des solutions, se démarquer. Daniel Glao qui a du mal à contrôler ce ballon. Attention au contre. Et oui, Hicham Mlab, on ne l'a pas. Eh bien joué, bien coupé, Christian. Allez, il va falloir repartir avec long ballon de Victor Lissalt qui retombe dans les pieds. Oh, bien joué de Steven Nouyamboula, encore une fois. Il faut rentrer, Steven, c'est bien joué. Oh ! Main ou pas, oui. Pénalty. Main et pénalty sur cette frappe loupée de Fati. Eh bien, écoutez, on va pas s'en plaindre, il n'est pas encore au fond, puisque là, c'est la contestation. Je vous avouerai qu'on était loin de cette action, on n'a pas forcément vu ce qu'il se passait. Hicham Mlab s'est déjà saisi du ballon. Voilà, ça ne conteste pas longtemps quand même, hein, côté Romorantiné. Preuve que peut-être la faute était... Une main au sol du joueur qui est venu tacler pour contrer la frappe de Moussa Fati, mais Moussa Fati avait loupé sa frappe qui est venue un peu s'écraser sur la main du joueur au sol qui a subi les choses, certes, mais qui l'a touché de la main. Hicham, allez, c'est pas maintenant qu'il faut se rater, Hicham. Dans l'occasion de revenir au score... Au milieu de cette première mi-temps. Et maintenant, il ne faut pas se rater. Ouh, c'est bien tiré, même si Djidounou était parti du bon côté. Ouais. Djidounou était parti du bon côté. On va le revoir au ralenti. Mais le grand gardien, Romorantiné, n'a rien pu faire sur ce ballon. Petit filet de Hicham Mlab, qui a l'habitude de ce type d'exercice. Mais quand même, il n'en manquait pas beaucoup. Il en manquait pas beaucoup. Et enfin, on peut évoquer une situation où la réussite a été pour Bergerac. Ça fait peut-être deux mois qu'on n'a pas parlé de ça. Oui, il y avait longtemps qu'on n'avait pas marqué un but, Sylvain. Mais on est vraiment là dans une situation de réussite parce que tout part d'une frappe ratée de Moussa Fati qui trompe un peu le défenseur au sol et ça fait même pénalty transformé. Donc pour une fois, depuis de très nombreuses semaines, la réussite a été du côté du BPFC et il fallait tout ça pour revenir à un partout et changer la donne dans ce match. Mais on va pas s'en plaindre. Alors on espère que ça va ragaillardir le moral bergeracois qui était un peu tombé dans les chaussettes au bout de 5 minutes et que ça va peut-être donner d'autres idées à nos amis bergeracois pour aller en chercher peut-être un petit peu plus. Mais le fait déjà d'être revenu au score, Sylvain, est déjà très très important.
Oui, c'était vraiment le plus important, essayer de changer le scénario de cette rencontre, se remettre un petit peu la tête à l'endroit, peut-être aussi, parce que mais quand on est mal en point et qu'à domicile on prend un but au bout de 6 minutes, forcément, on a plutôt tendance à baisser la tête. Oui, exactement. Et là, on revient donc au score, c'est tout bénéfice. C'est encore Steven Nouyamboula qui a été au départ de cette action et qui s'est montré dangereux avec ce débordement côté droit. Il faut continuer des Romorantinais qui ne lâchent pas et qui font circuler le ballon, qui vont prendre leur temps. À l'image là de Castro derrière, tranquille. Djonou. Djonou qui se joue de Romain Scarpite. Ah mais ballon récupéré par Loan Husson qui écarte là-bas avec Moussa Fati qui va pouvoir provoquer, déborder. Allez. C'est là-bas, c'est Christian Gébois. Le ballon rebondit là juste devant Sam Ducrot au moment de sa passe, mais Moussa Fati se bat. Non, ce sera une sortie de but. Signale Monsieur Gazani. Un ballon qui va pouvoir être dégagé par Djonou qui s'appuie sur ses défenseurs pour relancer proprement. L'aumônier qui perd ce ballon. Attention à ce pressing haut de Romorantin. Allez Pierre Laborde, il faut la lâcher. Allez, du pied gauche, il a essayé le timing encore fabuleux de Romain Scarpite. Il est parti, Romain, son défenseur. Et oui, Romain, oui. Magnifique but de Romain Scarpite. Et oui, Romain, le voilà, Romain Scarpite. On l'avait pas vu depuis longtemps, Romain. Et on revoit sur ce long ballon dégagé par Pierre Laborde, un timing parfait de touche de balle. Et les Bergerois qui reviennent dans le match avec ce ballon parfaitement croisé par Romain Scarpite. 2 buts à 1, superbe action bergeracoise. Eh bien dites-moi, bravo Romain. Romain Scarpite qui n'avait plus marqué depuis le 16 février dernier contre Bourges. Ça va faire du bien au moral de Romain qui en a bien besoin dans la mesure où il fait un travail de l'ombre, qu'il court beaucoup. Et là il est payé. Très belle finition là. Ah oui, parce qu'il n'est pas facile à mettre en plus avec ce Johan Djonou qui a eu beaucoup d'expérience dans la cage et qui était sorti pour boucher l'angle, malheureusement ou heureusement pour Romain. Il a vu une possibilité sur la droite du gardien et il l'a transformé. 2 buts à 1 pour les Bergeracois. Et bien écoutez, en 10 minutes, le match a complètement changé de physionomie. Alors on va voir maintenant les 5 minutes à venir, là où il va falloir que Bergerac soit extrêmement solide parce que Romorantin va essayer de se jeter à l'attaque de suite. Et on le sait, on le dit souvent, Sylvain, ici dans nos commentaires, il faut tenir 5 minutes au bas mot après avoir marqué un but. Ce fameux temps de décompression, cher à Paul Mazo, qui nous en parlait souvent. Allez. Les Bergeracois qui vont devoir maintenant, attention, long ballon, Pierre Laborde sans problème normalement, c'est fait. Impeccable, des Bergeracois qui donc à la 30e minute mènent maintenant 2 buts à 1. Vous êtes en direct sur BPFC TV et Radio Vallée Bergerac en simultané et des Bergeracois qui ont mal commencé. Et qui se sont parfaitement repris par l'intermédiaire d'Hicham Mlab sur pénalty. Et là, vous venez de le voir par ce but de Romain Scarpite qui permet donc au Bergeracois de mener 2 buts à 1. Mamadou Kamissoko, Christian Gébouao. Et maintenant, c'est les Bergeracois qui vont essayer d'attirer un petit peu, d'aspirer Romorantin pour trouver des solutions. Oh, bien joué encore là-dessus. Ouais, Romain Scarpite pour Glao. Et il est précieux, Romain, il est précieux. On le répète semaine après semaine, hein, mais cette science du timing de Hicham Mlab. Ah oui, c'est fantastique. Et on voit Romain Scarpite qui se pose même pas la question. Parce que quand il voit Hicham Mlab dans les airs, il part dans son dos de suite. C'est aussi ça d'avoir des affinités entre joueurs.
Allez, Christian, ouais, pourquoi pas. Elle part un petit peu mieux, c'est la deuxième frappe de Christian Gébaud de loin ce soir. La première était hors cadre, la deuxième est cadrée, mais sans problème pour Djidounou dans ses bras. Attention, de rien quand on pousse cette défense romorantinoise. On parlait avec ce but de Romorantin du problème de confiance de Bergerac qui était sur 4 matchs sans marquer, mais à demain pour Bergerac, on se pose la même question à Romorantin qui reste sur 3 défaites lors des 3 derniers matchs. Alors qu'il y a un mois de ça, ils étaient 4e du championnat. Comme quoi, tout peut aller très vite dans ces championnats de National 2. Et surtout dans ce groupe B où les équipes se tiennent en peu de points. Ballon perdu par... On joue vite la touche. Alors là, c'est le coach de Romorantin qui a gêné son propre joueur au moment où il voulait lancer la touche rapidement. Attention à ces ballons qui traînent, Hicham Mlab. Préfère éviter la faute. Bien joué, Hicham. Et touche. Allez, des Romorantinais qui vont... Bergerac qui s'est positionné en bloc. Ouais, bien joué. Dommage, c'était bien joué, bien senti de la part de Sam Ducrot. Sam Ducrot qui continue, qui se prend pour un avançant, pourquoi pas. Jusqu'au gardien. Il est obligé, il a commencé le pressing, il est obligé d'aller au bout. Il est suppléé derrière, attention. Ouais, c'est... Ouais, on passe pas de questions. Ouais, c'est un milieu de terrain qu'il faudrait conserver ce ballon. Ouais, récupérer, le poser. La ligne défensive s'est reformée. Alors le bloc est vraiment très très bas du côté de Bergerac. C'est la première fois du match qu'on a un bloc aussi bas. Attention à ne pas non plus déjouer avec un bloc qui resterait dans ses 30 mètres. Bergerac n'est pas forcément le plus efficace dans ce système. Hicham Mlab encore. Hicham Mlab, il y a une petite faute sur Hicham. Ouais, on peut le dire parce que nous c'est sous nos yeux là. Il a protégé son ballon mais effectivement il a été un peu tenu. Allez, Victor Elisalt, ouais, bien joué encore. Dommage, mais Steven Nyamboula qui fait un beau boulot. Ah non, il y aura même un hors-jeu, Sylvain, signalé par monsieur Nicolas Ré. Ah, ça va permettre de temporiser les choses pour Bergerac. Alors que l'on arrive à la fin de ces 5 fameuses minutes. On va voir maintenant sur les 12 minutes qu'il reste dans ce premier acte si Bergerac maintient son bloc bas ou remonte progressivement. On le sait depuis le début de la saison. Jouer en bloc bas et attendre. Encore un ballon récupéré par Hicham Mlab. Aïe. Il était presque surpris Hicham Mlab de cette talonnade de Daniel Glao. Mamadou Soko qui met direct dans le paquet. Ça va être récupéré là-bas par Christian Gébaou. Moussa Fati, on se complique un peu des fois. Mais le ballon est toujours Bergeracois, c'est l'essentiel. Moussa Fati qui va pouvoir y aller, mais qui est contré. Oh là là, dommage. Un mauvais contrôle d'Hicham Mlab. Ah, qui vient la récupérer, elle va être récupérée d'ailleurs. Bien joué Hicham. Steven Nyamboula, mais c'est un régal. Il avait perdu le ballon, monsieur l'arbitre ne mouftera pas. À juste titre. Et Romain Escarpite encore. Dommage. Travail de harcèlement de Romain Escarpite. Oh, une grosse faute en retard. Hicham Mlab, il avait vu. Hein. Il a sauté juste avant le tacle. Oui. Il a tendu le pied pour passer devant le tacle adverse et il a sauté. Le tacle de Benjamin Duvou. Allez, c'est parti là-bas. Ils sont deux, faut pas se gêner. Deux, Daniel Glao, Steven Nyamboula. Et ça sera un corner. Corner pour Bergerac. Corner que devrait aller frapper Hicham Mlab. Pied gauche rentrant comme d'habitude. Et on voit un terrain quand même très bosselé sur le mauvais contrôle d'Hicham Mlab, puis la conduite de balle de Steven Nyamboula là sur l'action d'avant. Le ballon rebondit parfois jusqu'à hauteur des genoux. Hein. On est clair, on en discutait avant la rencontre pour ne rien vous cacher avec deux joueurs bergeracois qui se plaignaient un petit peu de l'état de cette pelouse bosselée. Ah, c'est compliqué et qui rend les contrôles compliqués. Prendre le ballon et accélérer, c'est compliqué avec autant de faux rebonds. C'était tenté direct. C'est écarté. Oui, bien joué, elle est reprise là-bas. Deuxième poteau. Allez, il faut aller la chercher. Fatih là-bas qui se bat. Moussa Fatih, mais là, on ne fait pas dans la dentelle. Côté Romorantiné. Allez, on va pouvoir la
l'a lâché cette balle. Moussa Fati, bien joué ça. Ouais, très bon personne. Centre, personne hein, pas preneur sur ce centre de Moussa Fati, un peu long. Il faut se repositionner. Il faut venir fermer ce couloir. Daniel Glavo fait l'effort pour le faire. Attention, Lohan Husson toujours pris dans le dos. Bien joué Mamadou Kamissoko, sans froid. Attention à ne pas se faire prendre. Lohan Husson, ça vient, il faut lui parler. Eh oui, il n'y a rien. Lohan Husson, il va falloir qu'il se mette un petit peu au diapason de ses coéquipiers. Allez, sans conséquence, Hicham Mbappé. Mais... attention, on perd des ballons bêtement. Ouais, un peu plus solide dans les duels, ce que Sam Ducro vient de faire. Hein. Ah oui, mais on repart sur les basiques là, hein, parce qu'il faut les joueurs d'expérience pour amener un peu de sérénité. On a perdu des ballons bêtement, c'est comme ça qu'on a pris un but dès le début de ce match. On va essayer de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Et dans ces temps un petit peu faibles que peut connaître Bergerac ce soir, on peut vous dire que Mamadou Kamissoko et Sam Ducro dans les duels, ils en imposent et depuis tout à l'heure, ils sont en train de rattraper un peu toutes les erreurs de leurs compères avec beaucoup d'autorité et de sérénité dans leurs interventions. Allez, il faut pas que ça se... Attention à ce ballon, Pierre Laborde sorti Mamadou très loin. Kamissoko était là. Allez, Chamem Lab qui dévie. C'est pour la défense de Romorantin. On en parlait, Bergerac bloc bas, c'est pas forcément très convaincant non, depuis 5 minutes. Pas du tout même, je serais tenté de dire Sylvain. C'est peut-être une conclusion un peu hâtive, mais... Là, c'est le, je ne sais pas si vous l'entendez, mais... le stade entier aura entendu la consigne passer à Lohan Husson. Malheureusement, son dégagement est encore une fois loupé. C'est compliqué. Steven Nouyogou là. Allez, qui va chercher là-bas derrière Mamadou Kamissoko. Sam Ducro qui décroche pour venir récupérer ses ballons et les relancer. On vient rechercher Lohan Husson. Oh là là, encore. Si, c'est bon ça. Ça passe pour Romain Scarpit. Il y avait un décalage dans son dos là-bas, mais il n'a pas pu le voir. Ouais, il était caché. Moussa Fati, il était parti se faire oublier dans le dos de Romain Scarpit. Le voilà Moussa Fati. Ah, il a enclenché le premier dribble. Ah, dommage. Et voilà, encore une fois, c'est rebond. Quand on veut jouer une touche, c'est très compliqué. Attention, hors-jeu. Ouais, deux hors-jeu. Guillaume Yenoussi, au minimum. Et notre cadreur aussi, qui était un petit peu en retard. Il avait anticipé le hors-jeu. Il connaît bien le football, Julien. Oui. On a un connaisseur à la caméra ce soir. Allez, là, il y a un moment... Monsieur l'arbitre, là, il n'y a que lui qui n'a pas vu. Ça a tapé fort, on l'a entendu depuis les tribunes. Oula. Alors, c'est Steven Louyamboula... Non, c'est Daniel Glavo, pardon, qui est au sol. Il se plaint du genou, de la cuisse. Ça a claqué, hein. Ça va mieux, ça va aller mieux. Ce sera une remise en jeu, enfin un ballon qui sera rendu à Romorantin. Oui, mais là, avec Glavo, on ne peut pas jouer sur un pied. Hein. On lui met de la bombe derrière le genou. Ouais, alors, on espère pour lui que c'est juste un coup. Yassine Azaf en profite pour lui passer quelques consignes sur ses déplacements. Et on est rentré dans les 5 dernières minutes de jeu, Sylvain. Toujours 2-1, on vous le rappelle, vous êtes en direct sur BPFC TV et en simultané sur Radio Vallée Bergerac. Les Bergeracois mènent donc 2-1 après avoir été menés 1-0 avec un début de rencontre très très compliqué pour les joueurs de Yassine Azaf. Et là on échange quelques noms d'oiseaux, j'ai l'impression. Sur les bancs. Allez. On va revenir un petit peu plus de sérénité. C'est les deux coachs là qui sont en train de s'invectiver un petit peu.
Ce qui serait bien une première cette saison de Yassine Azav, qui est plutôt muet dans les matchs. Oui, puis qui est toujours relativement tranquille. Bien sorti encore Sam Ducrot. Très, très précieux dans son rôle. Attention, il va dépasser même là-bas. Allez, Moussa, ah, très bien. Il a servi. On va pouvoir la donner. Sam Ducrot, Romain Scarpite. Oh, ah, ça frappe sans voler. Dommage. Encore une action très intéressante à gauche. Dommage. Alors en plus, pour qu'elle s'envole comme ça, elle a peut-être décollé sur cette pelouse qu'on juge et qu'on a dit très compliquée. On le voit, hein, ça sautille beaucoup. Et c'est vrai que la prise de balle de Romain Scarpite en première intention était d'autant plus compliquée. Dijonou qui dégage long ballon. Sam Ducrot, il faut la toucher, bien joué. C'est Steven Louyamboula, mais ce ballon sera un peu long et ça va être une remise en jeu romorantinaise avec Maxence Lemonnier pour Alex Marchadier, Alexandre Castro. Et un pressing effectué haut par les Bergeracois, notamment avec Hicham Mlab. Ah, dommage, on perd des ballons. Dommage. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours 2-1 pour Bergerac, qui a inversé la tendance après à être vraiment très mal parti dans cette rencontre et ce premier but de Romorantin après 6 minutes. Ouais. Et là, il faudrait qu'on puisse tenir ce score, Sylvain, ça serait l'idéal, hein, jusqu'à la mi-temps. Viré en tête et avec Hicham Mlab qui fait un bon boulot encore ce soir. Hein. Ah, c'est vrai que... c'est une touche bergeracoise. Allez, il reste un petit peu plus de 2 minutes. Quelques arrêts de jeu, pas beaucoup. Certainement, si on pouvait faire tourner jusque-là et attendre... Attention, Loan Husson. Ah oui. Oui, il y a une faute incontestablement d'Alex Marchadier sur Daniel Glao. Ah mais c'est inversé d'ailleurs. Ah non, alors, ouais, visiblement c'est un hors-jeu avant la faute. Hein, donc le hors-jeu a priorité sur la faute. C'est un hors-jeu. Donc, parce que le public n'a pas forcément compris, mais effectivement, si Daniel Glao était hors-jeu, même s'il y a faute sur lui... C'est logique dans l'interprétation. Attention là-bas. Sylvain Louyamboula, il est opposé avec Guillaume Yenoussi. Ça va doubler, mais Guillaume Yenoussi choisit l'autre côté. Attention, c'est arrêté. Là-bas, Moussa Fati, pas de faute, pas d'erreur. Ouh lolo. Ah, c'est venu traîner au deuxième poteau. Ouais, c'est même pas sorti, ce ballon. Ballon compliqué à jouer. Allez, long ballon. Hicham Mlab, il est un peu envoyé. Il est un peu tout seul. Allez, il faut continuer, il faut pousser. Hicham, il a... Attention. Allez, faut serrer. Bien joué, Victor. Bien joué, Victor. Important ces ballons-là. Important ces ballons récupérés. Aïe, aïe, aïe. Décidément. Voilà. Cette maîtrise technique qui est tellement dure à avoir sur ce terrain. Ouais, c'est Sam Ducrot. Voilà. Et c'est ça, il y a encore la passion. Bien joué. Mais celle-là, elle est belle. Et c'est pour Romain Scarpite, là-bas, tout seul dans son coin, qui va essayer de garder ce ballon. Des deux côtés, on a l'impression qu'on est en fin de match, hein, déjà. Et on est dans les arrêts de jeu. Attention, il est seul. Et une petite faute. Il a gagné intelligemment le franc. Il était seul au milieu de deux joueurs, Victor Elissalt. Allez, on n'a pas entendu. 2 minutes, hein, deux minutes. Il nous semble. Une seule. L'arbitre était à l'opposé de nous, on n'avait pas bien vu son signe. Une seule minute donc. Et on a déjà joué 30 secondes dans cette minute-là. Victor Elissalt qui est toujours au sol. Voilà, il va se relever. Qui pour tirer le coup franc, Victor Elissalt ou Hicham Mlab? Ce sera visiblement Hicham Mlab qui a pris le ballon. Ça devrait être la dernière action de cette première période, Sylvain. Et pourquoi pas sur ces dernières secondes faire mal à Romorantin. Ah ben on signerait dès demain, hein, côté bergeracois. Allez, Hicham va gagner encore un peu de temps. Pied gauche, trajectoire rentrante de ce ballon.
Ouh, c'est un peu bas. Attention, Didono qui va. Tranquille. Attention, on va jouer vite. Il est parti tout seul, Yenoussi. Ah, il a talonné, mais. Voilà, Sam Ducrot qui vient gêner un peu les transmissions. Attention, c'est le dernier ballon. Guillaume Yenoussi là-bas, toujours, qui va pouvoir centrer. Ouais, bien joué. Encore Sam Ducrot. Hicham Mblab qui va pouvoir sécuriser ce ballon. Et monsieur Gazagne qui siffle la fin de cette première période avec avantage au Bergeracois. Et Sylvain, ça n'a pas été sans souci. Hein. Non, et cette fameuse réussite qui fuit tant le BPFC depuis des semaines et des semaines, qui pour l'instant est au rendez-vous, même si on avait l'impression qu'elle était encore du côté de Romorantin dans ces premières minutes avec ce cafouillage un peu rocambolesque qui avait permis aux Romorantinais de marquer ce premier but alors qu'il y avait trois défenseurs de Bergerac sur la trajectoire du ballon et que les trois ont touché le ballon sans le dégager. Derrière, ça s'est inversé avec ce pénalty pour Hicham Mblab sur une frappe manquée de Moussa Fati, et dans la foulée donc cette très belle déviation d'Hicham Mblab pour Escarpit qui a délivré les siens et inversé complètement la tendance dans cette rencontre où Bergerac mène désormais 2-1. Bien, et bien on va se satisfaire hein, Sylvain, de cette marque à la mi-temps, tant le début de rencontre des Bergeracois avait été compliqué, on va s'en satisfaire. On regarde un petit coup d'œil rapide sur les autres matchs, notamment celui qui a débuté à 19h entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Pour le moment, 0-0 entre les deux formations, mais ce sont des résultats à prendre avec des pincettes. Et le match entre Angoulême et Trélissac, toujours 0-0, mais c'est un match qui a débuté il n'y a pas très longtemps. Voilà, on va faire une pause sur ce match et on va recevoir le sponsor de cette rencontre. Alors attendez, parce qu'on est en train de gérer plusieurs choses à la fois. On demande un petit peu de patience. Voilà, on va régler les installations techniques pour pouvoir réaliser l'interview de la mi-temps avec le sponsor de cette rencontre. Voilà, alors on va accueillir le partenaire de cette rencontre. Hop là, on va l'équiper d'un casque. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous recevoir sur BPFC TV. Vous êtes donc le sponsor de cette rencontre. On va vous demander de vous présenter tout simplement. Et ben alors voilà, je suis Angus Yard, donc je suis commercial à la concession Opel de Bergerac, groupe de Luc. Voilà, nous sommes là ce soir en tant que sponsor et nous exposons donc deux véhicules à l'entrée du stade. L'intérêt pour Opel Bergerac justement de participer à la vie locale et à la vie sportive évidemment, en sponsorisant ce type de rencontre. Ah ben c'est essentiel hein, en tant que commerçant pour se faire connaître, la vie, vivre avec notre ville. C'est très important pour nous d'être là ce soir. Voilà. Est-ce que c'est justement quelque chose que vous faites souvent ou c'est systématique chez Opel Bergerac de suivre un petit peu, pas forcément le football, mais aussi d'autres disciplines? Oui, tout à fait. Donc on suit le football aussi, le rugby, mais on essaye d'être là, présent quand il y a des manifestations, une braderie. On essaie toujours d'être actif, d'être sur le terrain. C'est très important aujourd'hui pour avoir de la visibilité. Alors on en profite puisqu'on est en simultané donc sur BPFC TV et Radio Vallée Bergerac. Cette concession bergeracoise, présentez-la nous un petit peu. C'est combien de salariés, c'est combien de véhicules, c'est vendu à l'année? Alors cette concession Bergerac, c'est une concession qui est d'origine familiale. Donc voilà, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont implantés. On est une quinzaine de salariés, on est une équipe vraiment très soudée, avec de bonnes valeurs, on s'entend très bien et ça se reflète énormément sur nos clients. Donc voilà, les clients viennent chez nous pour acheter des voitures chez Opel Bergerac, et notamment des Opel. Et du coup voilà, nous sommes cette concession, on fait des véhicules neufs, d'occasion, électriques également, parce que c'est la mode aujourd'hui, hybride, donc on distribue vraiment tout ça sous la forme donc de on propose des financements également. Donc voilà, on est vraiment, on fait tout, l'entretien, donc on s'occupe du client de A à Z, voilà, avec leur véhicule.
D'accord. Et donc, dans cette concession, alors on va le dire, par contre, on va situer où vous êtes, même si les Bergeracois, comme vous le dites, c'est une maison historique, la maison Opel, mais on va situer où vous êtes à Bergerac pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Alors du coup, je vous donne l'adresse, c'est 35 avenue du Général de Gaulle. C'est sur la route qui va au Grand Leclerc de Bergerac, la Cavaille. L'actualité à court terme d'Opel Bergerac, c'est quoi ? Alors c'est beaucoup de choses, c'est l'électrique, des nouveautés en termes de SUV, on va avoir deux nouvelles sorties cette année. On a également des nouveaux produits qui viennent tout juste d'être lancés sur le marché, notamment l'Astra qui est présente aujourd'hui sur cette rencontre à Bergerac, et le Grand Land hybride. Donc on va vraiment faire avoir une hybridation sur toute la gamme. Donc voilà, vraiment un futur génial pour cette marque, avec vraiment de beaux modèles, avec une belle personnalité, et je pense que beaucoup de monde pourront se retrouver chez nous avec ces beaux véhicules. Et vous avez pu remarquer, justement, puisque vous parlez de véhicules qui sont exposés, vous avez pu déjà ressentir chez les personnes qui sont venues vous voir, peut-être tourner autour des véhicules ce soir, quelques intérêts par rapport à la marque ? Complètement, ça intrigue. C'est vrai qu'on ne passe pas tout le jour à Opel, et quand on voit ces véhicules qui sont très très bien finis, de très bonne qualité, bien on vient regarder. C'est vrai qu'ils sont très attirants, et voilà, ça suscite des questions, surtout qu'elles sont floquées, hybrides, électriques, qu'est-ce que c'est ? Les gens ne connaissent pas forcément. Donc voilà, c'est vrai que ça, on peut lever pas mal de questions chez les clients, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Oui, c'est vrai que cette hybridation des véhicules, elle est relativement récente. Donc je suppose que vous allez avoir beaucoup beaucoup de demandes par rapport à ça, surtout. Énormément de demandes, les gens ne viennent quasiment plus que pour ça. C'est vrai que là on a des voitures qui vont polluer beaucoup moins, qui sont très très bonnes au niveau de l'impact environnemental, parce que je rappelle qu'on recycle énormément, 98% de nos composants électriques sont recyclés. Donc voilà, on va vraiment dans cette démarche de développement durable, et donc voilà, ces véhicules là sont en vente. On a c'est vrai qu'on est toujours habitué au diesel, essence, mais c'est vrai qu'on a de belles choses à voir avec ça, et souvent les gens, quand ils essaient, quand ils ressortent de cet essai, justement, ils ont le sourire, et c'est ça qu'on aime. Cette évolution, elle est inévitable, de l'hybridation ? Elle est inévitable, oui, tout à fait, parce que effectivement, quand vous achetez une voiture aujourd'hui qui n'est pas hybride ni électrique, vous avez un malus à payer, donc ce sont des taxes. Donc effectivement, aujourd'hui, on a le conglomérat de constructeurs sont poussés, hein, effectivement, à réduire leurs émissions de CO2. C'est une norme, c'est obligatoire, et donc aujourd'hui, effectivement, fatalement, il faut passer avec de l'hybridation et passer sur des véhicules où on a une partie de roulage électrique. C'est inévitable. Eh bien, on va vous remercier d'être venu nous voir au micro de BPFC TV et de Radio Vallée Bergerac, parce que je le rappelle, cette émission est retransmise en simultané sur RVB. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites pour le football et le sport local en général. Et puis, on enjoint les personnes qui seraient intéressées à vous retrouver. Donc, c'est Route de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, avenue du Général de Gaulle, Route de Bordeaux, effectivement. À Bergerac. Exactement, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Merci à vous, bonne fin de soirée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà, on va faire une pause dans cette rencontre, et puis on va se retrouver rapidement pour cette deuxième mi-temps qui devrait arriver très très vite derrière. A tout de suite.
Voilà, de retour sur BPFC TV et Radio Vallée Bergerac pour suivre cette deuxième mi-temps entre le BPFC et Romorantin et des Bergeracois qui sont revenus dans la partie après avoir commencé très très difficilement cette rencontre, menée, on vous le rappelle, au bout de 5 minutes de jeu sur un but un peu donné hein, par la défense bergeracoise. Et puis après, cette égalisation d'Hicham Mlab sur pénalty et ce but de Romain Scarpite sur une action en deux temps. Dégagement de Pierre Laborde. Une tête de Hicham Mlab avec son timing toujours aussi impressionnant. Et ce but de Romain Scarpite qui permet donc à Bergerac de mener 2-1 au début de cette deuxième période. Ceci étant, Sylvain, on a quand même quelques inquiétudes pour la suite, tant on a laissé de choses en route et où on manque un petit peu de... On est un petit peu fébrile par moment sur certaines actions de jeu. À voir Bergerac mener au score et ne pas s'imposer, malheureusement, ça a été le cas de nombreuses reprises de cette saison. On espère qu'ils vont arriver à inverser la tendance et qu'avec l'expérience accumulée au fil des rencontres, ils seront capables de gérer cet avantage-là au score. Pour l'instant, ils ne nous ont pas totalement rassurés sur la fin du premier acte. On les a vus parfois se positionner en bloc bas, mais pas forcément très à l'aise dans un tel dispositif. Et on espère qu'ils vont pouvoir peut-être un petit peu mieux s'exprimer, continuer à jouer leur football, tout simplement. Le football qui, pour l'instant, leur permet de mener 2-1. Le football qui, sur la saison, leur permet souvent d'aller marquer des buts. Un football offensif avec des actions construites. Faut peut-être garder cette trame de fond. Voilà, et Romain Scarpite donc qui est prêt à donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Deuxième période. On va être un peu pris par le temps. Et on est parti du côté de Carréal avec Romain Scarpite qui donne le coup d'envoi de ce deuxième acte. Bergerac avec le ballon dans les pieds. Amadou Kamissoko qui va allonger Hicham Mlab. Attention, les deux têtes se sont percutées. Hicham Mlab a obtenu le coup franc. Sam Ducrot. On s'est percuté au niveau du front là. Hicham Mlab s'est plein de son front, du haut du crâne. Sam Ducrot qui a le pied sur le ballon. Qui va peut-être laisser ce coup franc à Victor Elissalt. Son pied gauche va essayer de trouver un attaquant bergeracois. C'est bien frappé, ouais, c'est un peu long. Et Dionou sans problème. On le voit très à l'aise sur ses longs ballons et à chaque fois il procède à un relance rapide avec un duo qui fonctionne bien avec Yenoussi. Systématiquement, c'est Yenoussi qui est recherché sur ces ballons de Tidonou. Attention, ce centre, heureusement. Pierre Laborde qui est allé chercher ce ballon sur la tête de l'attaquant Romorantinet. Ah, il fallait tout ça. Et ça fait deux fois que Romorantin fait mal sur des relances rapides de Tidonou, systématiquement pour Yenoussi. Encore trouvé la côté gauche. Le bloc de Bergerac est en place, mais tous les Bergeracois sont dans leurs 35 mètres. Allez, on va envoyer là un long ballon. Attention, bonjour, il est un petit peu seul. Il est un peu seul, oui, effectivement. Et monsieur Romain Kerr a signalé un hors-jeu. Allez, il faut essayer d'être solide en ce début de deuxième période, éviter de se faire peur à l'image de ce début de match
complètement raté des Bergeracois, mais qui se sont bien remis derrière dans la partie. Et encore une fois, attention, bien joué, Steven Louyamboula là-bas. Toujours très précieux, hein, Steven Louyamboula. Allez, on essaye de construire là-bas avec Christian Géboyau. Steven Louyamboula toujours. Christian Géboyau a démarré. Ah, il aurait peut-être pu armer. Double 1-2 avec là-haut. Reprise de volée. Glao dans les étoiles. Tu mets belle combinaison entre Gibao et Glao. Intéressant, et on préfère les Bergeracois avec 4, 5, 6 joueurs pour organiser les offensives. Ils sont souvent plus efficaces dans des situations telles que celle-là. Allez. Long ballon de Castro à destination de Guillaume Yenoussi. Mais ballon contré, remise en jeu, Sam Ducrot. Allez, touche pour Romorantin. On est dans le camp de Romorantin. Bergerac très très haut sur le terrain. Et Benetta là pour la faire. L'attaquant Béaka qui se loupe complètement. Bergerac peut relancer. C'est passé pour Elisalt. Non. Attention dans le dos là-bas de Steven Louyamboula. Ça va débouler très très vite. Deux joueurs très rapides. Hein, là, qui, ouais. Qui bien joué, bien remis. Ouais. Mais Steven Louyamboula bien senti le coup. Louyamboula c'est rapide mais c'est puissant aussi hein, sur les premiers appuis. Oula, attention, une remise très très mauvaise remise. C'est décalé. Lohanisson ne pourra pas. Ouais, encore hors jeu. Heureusement, serais-je tenté de dire. Et une deuxième période qui repart tranquillement. Avec, on n'en a pas parlé, Sylvain, mais un camp royal qui s'est bien rempli et une tribune qui est quasi pleine. Ah, comme à chaque fois, on le disait, à 5 minutes du coup d'envoi, c'était très clairsemé ces tribunes. Et puis finalement, voilà, on est arrivé au fur et à mesure du premier acte. Aïe, 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 encore, ça a touché là-bas. Je ne sais pas qui est tombé. Ça joue, non, c'est ressorti. C'est encore Daniel Glao, me semble-t-il. Très très bien. Ouais, c'est Daniel Glao, effectivement. Et monsieur l'arbitre qui va consulter son juge de touche, non ? Qui va chercher le ballon. Visiblement, on a une Glao qui va se relever. Mal à la tête, Daniel. Ça fait deux fois. Relevé. Allez, le ballon va être rendu au Bergeracois. On va pouvoir reprendre le cours de cette rencontre. On parle beaucoup là sur ces ballons un peu rendus au sol. Voilà, c'est parti avec un changement d'aile. Ça passera pas. Pour Moussa Fati, il va falloir se replacer très vite. Guillaume Yenoussi qui remet derrière. Et Bentala. Bien joué, bien joué, bien joué. Dommage, il manque pas grand chose pour récupérer ce ballon. Et ça joue à deux. On a trouvé Hicham même là-bas gauche. Hicham qui va aller se tanker là-bas dans le coin. Et qui va récupérer, essayer de faire une. De Béaka. Oui, mais là, ça se voyait. Ah, il est bien sorti de marquage à 2, puis à 3. Ouais, il s'en mêle un peu dans ses dribbles, mais il récupère le ballon. Ah, il a beaucoup de réussite, mais après plusieurs contres favorables, il arrive à la récupérer. Glao pressing, il est resté au sol. Béaka, l'opposé du ballon, là. On est parti côté gauche. Hicham Mlab qui relève Béaka pendant ce temps-là. Romorantin est déjà dans le camp de Bergerac. Attention avec. Ouais, encore une fois, très autoritaire. Mamadou Kamissoko qui passe devant son attaquant. Il est précieux, Mamadou Kamissoko. Dommage, la déviation, elle est ratée par Romain Scarpite. On va le répéter encore, mais
positionnement bloc bas de Bergerac nous fait plus peur qu'autre chose. Ouais. C'est pas... Parce que les Bergerac ne tient pas le ballon et n'arrive pas à le ressortir dans ce genre de positionnement-là. La preuve, Daniel Gao qui obtient difficilement une touche. Des joueurs qui sont très loin les uns des autres. Difficile de construire. Ça sera une remise en jeu. Loan Husson. Oula. Elle a glissé. Ouais. Allez, long ballon, mais qui ne trouvera pas preneur, et ça sera une touche Romorantinez. Et là, on le voit, ça sort, mais ça sort tard. Et là, on est à contre-temps. Ah ouais, bien joué, encore Victor Elitz. Halt, dommage. Décidément, ce soir, Victor, on l'a connu plus inspiré. Attention à Guillaume Yenoussi. Bien joué Sam Ducrot, superbe Sam Ducrot. Il a même gagné la faute. Ouais. Et puis il a pris un petit tampon au passage. Ah non. On a vu, ça fait deux attaques de Romorantin d'affilée qui sont annihilées une fois par Mamadou Kamissoko, une fois par Sam Ducrot. Ah, ils font du boulot les deux. Hein. Derrière, et là, c'est. Les deux, à chaque fois qu'ils interviennent, non seulement ils gagnent leur duel, mais souvent ils ressortent avec le ballon. Et ça a fait un bien fou à l'équipe. Allez, long ballon. Il cherche même là très haut. Ouais, mais qui n'a pas réussi à capter ce ballon, ceci étant. Je vois où est passé entre deux. Et Benetta là qui s'est bien rattrapé. Ouais, elle a un pressing déclenché très haut, mais Romorantin arrive à s'en sortir facilement. Avec là où un petit peu en retard là pour boucher l'espace à droite. Attention là-bas. Attention à ce centre qui va arriver sur Guillaume Yenoussi. Et un peu long, et c'est Pierre Laborde qui pourra saisir de ce ballon. Relance immédiate. Côté gauche avec Moussa Fati, Chamemlab, et alors qu'il y a un joueur. Chamemlab qui arrête l'action. Romorantiné qui s'est écroulé. On ne sait pas trop pourquoi. Il semble que c'est encore Béaka qui était resté longtemps au sol tout à l'heure. Chamemlab était venu le relever alors que le ballon était parti depuis un bon petit moment déjà. Il a un problème de genou. Il s'est remis au sol, ça ne va pas. Premier buteur de cette soirée, BAK. Il y a un truc qui coince. Alors, des munitions à la pointe de l'attaque, il y en a du côté de Romorantin, si jamais BAK devait sortir. Solide BAK. Romorantin a marqué 24 buts avec celui de ce soir. 24 buts marqués seulement par 6 joueurs différents, dont 3 qui sont sur le banc ce soir. Et voilà. Vous pouvez peut-être redouter Sylvain avec ce changement et l'arrivée de Jordan Popino, dont on connaît la faculté, la gâchette romorantinaise. Attention à ce joueur bien connu du championnat national 2, bien connu parce que il accumule les réalisations et il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Toujours bien placé, toujours très adroit. Joueur de surface. Et pas uniquement, mais vraiment très à l'aise dans ses 20 derniers mètres. Allez, oula, Pierre Laborde qui se rate complètement sur ce dégagement. Et on va récupérer, non, on ne récupère rien du tout. Attention, oula, c'était parti un petit peu comme il a pu. Dijonou là, sur ce dégagement, et ça serait une remise en jeu bergeracoise. Husson qui change de côté là-bas avec Steven Le Diamboula, qui se défait facilement du bas. Il a effleuré Romain Scarpite, il n'a pas pu la frapper. Elle lui a échappé. Il y a corner, un corner. Mais si c'est dans le but, c'est le même tarif. Dijonou était battu, ça sera un corner. C'est bien payé. Quel dommage.
Là encore une fois, sur un ballon travaillé par Steven Nouyambola, côté droit. Le vrai poison, il s'était défait facilement de son marquage. Il a eu tout le temps d'ajuster ce centre que malheureusement Romain Scarpit a vu échapper. Allez, corner pour les Bergeracois. Un corner qui est frappé par Hicham Mlab. Un corner rentrant. Attention, c'est parti, les grands. C'était une tête de Loan Husson, me semble-t-il. Et on cherche, comme d'habitude avec Djidonou, à relancer très vite, très loin sur Yenoussi, mais cette fois, ça sort en touche. C'était pas Yenoussi, d'ailleurs. Dommage, ce ballon au deuxième poteau sur ce corner. Mais Djidonou avait bien lu la trajectoire du ballon envoyé et catapulté par Loan Husson. Allez. Les Bergeracois qui doivent serrer un petit peu. Oula. Allez, Victor Elisalt, Loan Husson, loin devant. Oula, c'est pour personne, si ce n'est pour Djidonou. Popino, qui vient récupérer des ballons. Ah non, pas Popino, pardon. Sam Ducrot, bien joué encore, bien placé. Pas de faute à Sam. Irréprochable encore ce soir. Très très bon dans le jeu. Oh, bien joué encore ce ballon, on l'a donné. Voilà, ça nous devient un petit peu plus fluide côté Bergeracois quand on arrive à capter ces ballons et à les lâcher. Attends, ça, il y a un beau duel là-bas entre Steven Nouyambula et son homologue. Il nous semble de, sa bataille. De très loin, il nous semble que c'était Gagnon là, qui était à la course avec Nouyambula. Ça va très vite entre les deux. Et nouveau corner pour la formation bergeracoise qui va être frappé par Victor Elisalt. Il y a un temps fort depuis 5 minutes. Il faut arriver à le concrétiser maintenant. On arrive à l'heure de jeu, c'est le bon moment. Allez, Victor Elisalt, faut s'appliquer sur ce ballon. Ouais, c'est bien frappé, dommage. C'est pris au premier poteau par... Castro, attention. On joue le contre à Sam Ducrot, vu la course de Yenoussi. À l'opposé, Hicham Mlab va accompagner le repli. C'est Popino. Aïe, 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 attention. Attention. Hors-jeu. Alors là, erreur hein, de Yenoussi. Hors-jeu de Yenoussi. Erreur un peu grossière sur une contre-attaque de se mettre hors-jeu comme ça, plein du terrain. Et puis, c'est pas la première fois que Guillaume Yenoussi se fait prendre au piège du hors-jeu. Mais on a vu une équipe de Bergerac qui s'est vraiment très vite replié, alors que c'est Romorantin qui avait tenté de se projeter en contre. Il n'y avait que 3 Romorantinés contre 7 Bergeracois. Et on est à l'heure de jeu, Sylvain. Et vous êtes en direct sur BPFC TV, en simultané sur Radio Vallée Bergerac pour suivre cette rencontre de National 2 qui oppose le Bergerac Périgord FC au SO Romorantin et des Bergeracois qui mènent toujours 2-1. Et on croise les doigts pour que ça dure. Des Bergeracois qui lancent un pressing, mais un pressing timide, un pressing qui n'est pas systématique et qui est un peu désordonné. Romorantin qui a un petit peu la maîtrise du ballon là depuis 5 minutes. Qui prend son temps, qui construit. Oula, Castro qui change là-bas, ça arrive. Allez, deux, ils s'en donnent un cœur joie là-bas. Hein. Nouyambula et son vis-à-vis. Oula. Oui. Oui, oui. Une faute, il n'y a rien à dire. Un joueur qui reste à terre, c'est encore Daniel Glao qui a de plus en plus de mal à se relever. Décidément, il est dédié à prendre des coups ce soir, notre ami Daniel. Et ça va être un ballon qui sera dégagé par Loan Husson. Alors, c'était pas le cas ces dernières semaines, mais il y a des solutions offensivement à Bergerac. On a eu un secteur un peu sinistré pendant plusieurs week-ends entre les blessures de Daniel Glao, Valdir Fonseca et Axel Tressens. Il y avait 3 attaquants blessés.
Daniel Glao est de retour. Axel Tressens fait son retour aussi ce soir, même si pour l'instant il est sur le banc de touche. Il peut rentrer. Husson, faut la prendre celle-là. Compliqué, Loan Husson. On n'a pas pu se saisir de ce ballon. Oh, il est passé. Ah, il est passé, Daniel Glao, en puissance. Ah, bien joué. S'échappe. Oh, Romain. Oh, ah, bah non. Et... Ouais, il s'est laissé tomber, Romain. Ça aurait été compliqué, hein, de toute façon. Deux pénalty dans le même match, pourquoi pas, mais... Un peu esselé, là. Manqué de soutien d'Isham Mlam, notamment un peu loin de cette action. Il est trouvé, là, avec le ballon. On cherche une solution. Et on le voit, ce ballon qui rebondit, Sylvain, qui gêne au niveau des... Compliqué, ah, ça passe. Victor. Allez, Moum. Oh, bien joué. Bascule à Fatif. Fatih, oui. Oh là 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 là. Oh là là, le poteau. Le poteau de Moussa Fatih. Alors que tout le monde voyait ce ballon à l'intérieur, dans le but de Romorantin. On va revoir cette occasion au ralenti. Superbe décalage de Isham Mlam. Mais la frappe, il la touche. Il la touche. Il la touche. Et on va revenir au corner. Bel arrêt de Djidonou qui la dévie sur son poteau, ça traverse tout le but et ça sort en corner. Alors on va attention. Il a tiré plein axe. Oh oui, et but. Et voilà le but de Christian Gémoraud. Superbe but de Christian Gémoraud sur corner. Corner d'Isham Mlam, décidément sur tous les bons coups ce soir. Et le voilà, phare parfaitement frappé, on l'avait déjà vu sur ce premier ballon, premier poteau. Superbe but de Christian Gémoraud et qui permet à Bergerac de mener 3 buts à 1. Et là, c'est plus la même mayonnaise. Superbe but de Christian Gémoraud. On a vu beaucoup de corners tirés de cette façon-là ce soir, enveloppé tendu, premier poteau. Exact. Jusque-là, le numéro 4, Castro, arrivait à s'interposer à son premier poteau. Là, ça lui est passé juste au-dessus de la tête et dans son dos. Christian Gébouaou qui a devancé la sortie de Djidonou pour la mettre. Et Isham Mlam, buteur sur le pénalty et double passeur après sa déviation pour Escarpit. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Je vois que... Oui, Axel Tressens, voilà, on en parlait. Romain Escarpit, la boîte bas. Avec la rentrée numéro 11, du nommé Axel Tressens. Et sorti également du numéro 24, sous le dépôt également. Le buteur. Ouais, bon match encore de Romain Escarpit. Au four, au moulin. Pas facile pour l'attaquant bergeracois, esselé souvent devant, mais qui court beaucoup. Et qui, après 4 matchs sans marquer, ce qui est presque une rareté cette saison, a retrouvé le chemin des filets ce soir. Et c'était important pour lui, pour sa confiance. Et pour Bergerac, parce qu'il compte beaucoup dans les buts de Bergerac cette saison. Et alors qu'il y a un changement aussi de l'autre côté. C'est Michael Vialat qui a décidé de procéder à 2 changements côté Romorantinet. Donc avec le 18 qui remplace le numéro 3. Donc le 3 qui remplace le numéro 18, pardon. Et on attend l'autre L'aumônier qui sort. Qui n'a pas été annoncé au panneau, même s'il a été effectué. Donc on n'a pas vu qui était sorti, malheureusement. Allez, 65e minute de jeu ici à Camp Réal. Vous êtes en direct sur BPFC TV et... en simultané sur Radio Valais et les Bergeracois qui mènent désormais 3 buts à 1. Ah, ça va un petit peu mieux, Sylvain. On avait mal commencé cette partie. On ne voyait pas trop comment pouvoir en sortir. Et puis, petit à petit, les Bergeracois sont revenus dans cette partie. Un premier but d'Isham Mlam. Un second de Romain Escarpit. Et à l'instant, ce troisième but sur corner de Christian Gébouao qui, d'une tête décroisée, a donné... un peu plus d'ampleur au score. Allez, Moussa Fatih qui va essayer de garder ce ballon. Alors maintenant, on va voir comment vont réagir les Romorantinets. Il y avait déjà eu cette alerte sur cette frappe de Fatih détournée sur son poteau par Djidonou. C'est le corner qui suit, du coup, but.
On va essayer de vous trouver le joueur qui est sorti tout à l'heure, en même temps que l'aumônier. C'est il y a eu les entrées de Courtin et d'Arzalaï. Oui. Arzalaï, deuxième meilleur buteur de cette équipe. Donc les deux... deux gâchettes de Romorantin qui sont rentrées. Et là, les Bergeracois vont devoir être attentifs parce que ça va vite. Et ça se trompe pas. Allez, changement d'aile là-bas. Sam Ducrot, Fatih, Jeboao, Fatih. Ah oui, c'est un peu... s'est trompé de côté là sur son crochet. Ouais. Alors la rentrée d'Axel Tressens peut-elle... C'est le numéro 8, pardon. C'est le meneur de jeu Benjamin Duvoux qui est sorti, remplacé par Arzalaï poste pour poste. Est-ce que la rentrée d'Axel Tressens va permettre de mettre un petit peu plus de folie dans cette attaque bergeracoise et qui sait pourquoi pas d'aller chercher... Ouais, petite faute de l'attaquant Romorantiné sur Steven Louliamboula. Ce qui est sûr, c'est que c'est une arme que Yacine Azaaf n'avait pas les dernières semaines, la possibilité de faire tourner l'un de ses trois attaquants. Forcément, ça change la donne, surtout qu'on le sait, les attaquants font énormément d'efforts dans ce système de jeu. Yacine Azaaf, donc pouvoir en faire souffler au moins, en attendant peut-être un deuxième, puisqu'il y a quand même quelques solutions avec César Neto qui peut rentrer parfois sur le front de l'attaque de Bergerac. Joli dégagement de Pierre Laborde sur Moussa Fatih, qui va pouvoir s'appuyer justement sur Axel Tressens, qui en est derrière avec Hicham Emlab. Axel Tressens, changement complet là-bas du côté de Steven Louyamboula. Beau contrôle qui va pouvoir provoquer. Non, il préfère remettre en retrait sur Victor Elissalt. C'est un très intéressant d'Axel Tressens là, sur ses premiers ballons. Bien géré, je cours long. Il est dans son match. Ah oui, mais là... Allez, et heureusement, hein, parce qu'il là... était déjà parti, Popino. Hein. Voilà, le genre de ballon qu'il aime bien. Ouais, juste puis un ballon perdu bêtement. Sur la récupération, il était parti dans le dos des défenseurs. Attention, pas perdre ce ballon, plein axe. Oula. Là, c'est un rebondi, hein, juste avant son dégagement. Non, mais là-dessus, on le sait, l'état du terrain de Camp Real est compliqué ces derniers temps. On le voit encore là ce soir. Et Romorantin qui va repartir à l'assaut pour essayer de réduire le score. Allez, Dijonou avec Ebentala. Ryan Ebentala, Popino qui se trompe de côté. Allez, Hicham Emlab qui va garder ce ballon, qui va essayer d'alerter Axel Tressens, se ravise. Fait tourner derrière. Oh, bien joué ça, c'est dommage. Mais ça n'a pas été compris par Axel Tressens. Un long ballon de Victor Elissalt. Malheureusement, qui n'a pas trouvé preneur. Et un nouveau changement, Sylvain, avec l'arrivée et l'entrée de Lucas Dumay à la place. Hicham Emlab, buteur et double passeur ce soir, impliqué directement sur les trois buts de Bergerac. On va voir comment tout ça va s'articuler. Peut-être il boite un peu, Hicham. Alors, est-ce que c'est par pure précaution? Elissalt, hein, qui probablement va monter un petit peu d'un cran, et Lucas Dumay en doublette avec Christian Gébao devant la défense. Alors, ça se dessine comme ça, ou pas. Allez, c'est relancé, c'est reparti. Non, c'est ça, on le voit avec Victor Elissalt un cran plus haut là, aux côtés de... Ouais, bien pris, bien bloqué par Axel Tressens. Castro qui écarte là-bas sur le côté gauche de la défense. Alors se mettre très très vite en place là sur ce changement tactique opéré par Bergerac. Louyamboula, il a perdu le ballon mais il va récupérer une touche. Pas le temps de tergiverser. On aurait pu penser que Victor Elissalt monterait d'un cran, ce n'est pas forcément le cas. Remise en jeu de Loan Husson, long ballon. Axel Tressens qui fait l'effort pour aller gêner son défenseur central.
Attention, Djonou, pas d'erreur. Eh oui, ça serait intéressant de les bloquer là. Et il essaye, Axel. Voilà, quand on vous parlait hein, de la, l'intérêt de faire souffler un des trois offensifs, on attention, le voit que c'est très attention, dommage, le contrôle, dommage. Satané pelouse. Oh, dommage. Bien relancé, bien sorti par Léon Morantiné. Ah, bien joué, Christian. Bon travail à deux, là, Lucas Dumais, Christian Géboao. Sam Ducrot, il est passé. Il est facile, hein, Sam Ducrot. Il a trouvé Axel Tressens, qui a cherché à rejouer avec Ducrot. Ballon regagné, Tressens. Il est rentré avec beaucoup d'envie dans cette rencontre. Il trouve Glao, Tressens encore. Ah, Glao qui le remet un peu fort. Attention, il faut la récupérer, il ne faut pas les laisser. Ouais, c'est trop long. Trop systématique, c'est long ballon qui essaye de... Guillaume aussi était en jeu. Oui, encore une fois, hein, Sylvain, je serais tenté de dire, Guillaume aussi est souvent en jeu, souvent pris au pied du hors-jeu. Ça va être une relance de Loan Husson. Allez Axel, allez, dommage, on va récupérer ce ballon avec Moussa Fati qui s'appuie derrière sur Christian Géboao. Dommage, attention. On va bien couper Loan Husson. Ah, voilà. Loan Husson qui va écarter effectivement sur Steven Louyambola qui va... Le crochet passé, double crochet. Ah oui, mais là, il faut un peu la mettre à un moment donné. Pas de compte favorable là sur son centre en retrait. Allez, on va pouvoir la récupérer. Bien joué, Victor. Lucas Dumais, toujours précieux dans ces moments-là. Lucas, bien joué. Attention à la remise. Oh là, il y a un pénalty. Il y a pénalty. Un très très bon ballon de Lucas Dumais. Très bon ballon. Mais dans alors, le petit espace pour Louyambola. Mais Louyambola, je crois qu'en fait, la seule façon de l'arrêter, c'est celle-là. Ah, cette visiblement, quand il vous a fait la valise, il faut faire faute. Alors, il qui va se pousser dans le dos au moment où il allait centrer. C'est visiblement Axel Tressens qui va prendre ses responsabilités. L'importance, là, un quart d'heure de la fin. Ouais, très très important. C'est le Tressens qui peut venir tuer la rencontre, tout simplement. Attention, parce que Dijonou, dans cet exercice, il est pas maladroit. Allez, Axel. C'est le moment. C'est parti. Ah, bien joué. Au fond, contre-pied. Superbement frappé par Axel Tressens. Et Eddy Bergeracois qui prennent le large sur le deuxième pénalty de la soirée. Et parfaitement transformé par Axel Tressens. Voilà. Et Eddy Bergeracois qui mène dorénavant 4 buts à 1. Superbe. Ben écoutez, celui qui nous aurait dit, Sylvain, qu'après être mené 1-0 au bout de 5 minutes, derrière on en aurait mis 4, on y aurait difficilement cru. Allez, 75e minute, vous êtes sur BPFC TV, en simultané sur Radio Vallée Bergerac, et les Bergeracois mènent désormais 4 buts à 1 face à Romorantin. 4 buts à 1. Les Bergeracois qui, lorsqu'ils concèdent l'ouverture du score cette saison au championnat, n'ont jamais gagné jusque-là. Eh bien, on espère qu'on va inverser la tendance, Sylvain. À 14 minutes de la fin, ce quatrième but d'Axel Tressens, 4 à 1, ça commence quand même à sentir bon. Oui, mais bon, on ne va pas vendre la peau de l'ours. On va attendre la fin de cette rencontre. Mais des Romorantinés qui nous surprennent un petit peu quand même, hein, Sylvain, il faut bien le dire. Parce qu'on s'attendait quand même à une équipe un petit peu plus imaginative sur le plan du jeu. Surtout que, notamment en première mi-temps, les Bergeracois leur ont laissé des possibilités de faire mal. On pense à ce dernier quart d'heure où Bergerac en bloc bas
n'a pas montré beaucoup de garanties, mais Romorantin n'a pas forcément eu d'occasion non plus. On ne les a pas sentis effectivement créatifs, mais donc, comme tu le dis, imaginatifs, capables de trouver des solutions par des combinaisons. C'est pas non plus le cas depuis le début du deuxième acte où attention, Pierre Laborturon... c'est débordement. Attention, ouf, ça passe au-dessus. C'est le premier vrai ballon offensif de Romorantin dans ce deuxième acte et on est à la 78e minute. Ouais. Et on va faire rentrer Patrick Choutang, visiblement. Je le vois sur les images de Julien qui se prépare en bas de votre écran. C'est le cas, ce serait le dernier changement. Alors, est-ce qu'il va être tout seul ou est-ce qu'il sera accompagné de Nathan Benmoussa ou César Neto? Attention, Moussa Fati, qui bloque là-bas l'attaquant Romorantiné. Oula, c'est limite, hein. Oui, ben là, c'est sorti. Ah, et il a donné pour Romorantin. Très vite remise en jeu. On a joué vite. Non, rien du tout. Ah, Sam Ducrot, toujours maître de son action. Ouais, c'est propre ce qu'il fait, ça. Mais on a beau dire. Oula, il est un peu haut, peut-être. Des pistons très sérieux, Bergerac. On n'a pas forcément parlé défensivement, mais Louyamboula et Fati sont très appliqués. Ça sera un corner, visiblement, accordé par Monsieur Gazaigne. À Romorantin. Ah bah alors, ce ne sera pas un ni deux, mais trois changements. Les trois remplaçants restants de Bergerac se préparent au bord. On ne le fera pas sur un corner défensif. Non. Corner joué par Romorantin. On travaille à deux à gauche. Pas de solution. Le Yamoula bien aidé par Elis Salt. Et Dumé qui fait très bonne intervention et il a obtenu propre, Lucas. On va pouvoir trois faire changements le changement d'un coup. Neto, Choutang, Benmoussa. Alors Victor Elissalt va sortir. C'est le premier changement qui a été annoncé par le panneau. Logiquement, comme cela se passe en principe, il va donner son brassard à Mamadou Kamissoko. Alors que des Romorantinés ont des crampes, hein, sont en sol. Oui, c'est un petit peu bizarre d'ailleurs. Voilà, la sortie du capitaine Bergeracois. Victor Elissalt, capitaine exemplaire de ce 11 Bergeracois qui mène ce soir 4 buts à 1. De mémoire, Sylvain, c'est peut-être un des scores les plus importants de la saison sur le terrain de Carréal. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Voilà, Daniel Gao qui cède sa place aussi. Et le troisième, c'est Steven Louyamboula. Poste pour poste, hein. Steven Louyamboula et Nathan Benmoussa. Auteur encore ce soir, Steven Louyamboula, de très très belle partie. Ah, il aura mis un petit peu le feu. Hein. Alors qu'on est à la 80e minute de jeu. Il y aura quelques arrêts de jeu. Oui, donc on disait, Sylvain, c'est peut-être la première fois hein, cette saison que les Bergeracois ont mis 4 buts. Alors c'était arrivé, mais pas en championnat, mais dans ce match un peu fou de la Coupe de France. Ouais, face à Bergerac, qui était mené 2-0 d'ailleurs, avait tout renversé pour s'imposer 4-2. Mais en championnat, c'est effectivement la première fois que Bergerac marque 4 buts à domicile. Mamadou Kamissoko, qui essaye de se dégager. Oui, on récupère ce ballon. Non, pas pour longtemps. On va laisser sortir. Et on va laisser filer le temps. On va du moins essayer d'en gagner en tout cas. Les 5 changements ont été faits par Bergerac. Il y a encore une possibilité de changement pour Romorantin. Et elle va se faire puisque l'on voit un Romorantiné qui se prépare au bord de la touche. Sam Ducrot, Moussa Fati, long ballon à destination là de Axel Tressens. Mais c'était pas ce qu'il fallait. Attention Axel qui va pouvoir la récupérer et qui va pouvoir s'engouffrer. Allez, Moussa Fati, on va la donner. Ah, il a cherché un retrait. Neto dommage, qui dommage, traîne dans dommage. La surface. Allez, assurer le repli défensif maintenant. Allez. Il faut maintenant être sérieux jusqu'à la fin. Pas de blague, donc c'est le numéro 5 de Romorantin, Sylvain, qui va rentrer.
le dénommé Adiuma Gueye. Changement d'aile là-bas de Castro. Ah oui, qui a effacé là-bas facilement son vis-à-vis. Et on ne se pose pas de questions. Le changement va s'opérer. Oui. C'est le numéro 24 qui va. Ah, il y en a Benetala, le latéral droit, ouais, qui sort, remplacé par un gars. Et on est sur du poste pour poste. Et Benetala qui est passé très, enfin, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, par Bergerac. Il a effectivement joué à Bergerac, où il était peut-être un peu plus souvent utilisé dans l'axe qu'à droite, comme il a été ce soir. Donc Ryan, donc la Fédène est rentrée du numéro. Allez, et on en a fini pour les changements ce soir. Ça sera terminé puisqu'on a vidé les bancs des deux côtés. Hein. Un joueur donc qui n'est pas rentré à Romorantin, c'est Adjet, joueur bien connu du championnat national 2 aussi, avec des belles capacités offensives, mais qu'on n'aura pas eu la chance de voir ce soir. Attention, allez, Patrick Choutang, pas de détails, il a raison. On n'est pas là pour faire du beau des fois. Oh là, bien joué, je ne sais pas qui c'est qui a fait là-bas, c'est Axel Tressin, César Neto. Axel Tressens qui n'a pas joué depuis un mois mais qui est rentré avec énormément d'envie dans cette rencontre. Ben Moussa. Voilà. Choutang. Ben Moussa. On a retrouvé Ben Moussa, pas de hors-jeu. Dumé. Neto. Bergerac très serein dans cette fin de rencontre. On a du mal à imaginer comment tout ce scénario-là pourrait s'inverser. Il n'y a pas eu d'occasion pour Romorantin dans ce deuxième acte. Oh, très bon centre. Dommage. C'est dans les bras tranquille pour Dijonou qui peut dégager loin devant. Attention à la contre-attaque menée par Loïc Gagnon. Mais c'est. Ça recule côté. Il a dévissé son dégagement. Et quand le terrain n'est pas bon, il est des deux côtés. Il a le capot ouvert là. Il n'en peut plus, Moussa. Il ne sortira pas, ça c'est sûr, puisque par contre à Bergerac, les 5 remplaçants sont désormais sur la pelouse. Là, effectivement, il ne sortira pas. Allez, Sam Ducrot, on ne dira pas assez encore, hein, mais Sam Ducrot, auteur d'une très très belle prestation. Oh, bien joué, César Neto qui peut trouver... Ah, mauvais centre, dommage, on la récupère. Je crois que... quelque chose de cassé côté Romorantinais. On n'y est plus trop dans les têtes. Ah, changement d'aile là-bas de Sam Ducrot à destination de Ben Moussa. Choutang qui lui remet, mais c'est un peu profond. Ah, Ben Moussa un peu convenu surtout. Un petit peu moins vite que Louis Oboula aussi. C'est pas le même profil. Non, un petit peu moins vite, oui. Et sur ce deux. C'est façon de parler. Attention. Il faut arriver à adapter le jeu. Allez, on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette partie. Et on vous le rappelle, Bergerac mène désormais 4 buts à 1. Avec respectivement un pénalty d'Hicham Emlab, un but de Romain Escarpite. Troisième but de Christian Geboao que vous voyez sur votre écran. Et un quatrième but encore sur pénalty d'Axel Tressens. Projection dans la surface de Ben Moussa. Il se remet sur son... faut y aller. Ah, il n'est pas gaucher, il a hésité. Ah oui, mais bon, à un moment donné... Il aurait pu déclencher là même sur le pied gauche à l'entrée de la surface. Ça s'était ouvert devant lui. Attention. Popinot là-bas qui va la réclamer. Et oui. Mamadou Kamissoko à grandes enjambées. Ouais, il a bien redonné dans l'axe. Et but. Et oui. But de Romorantin. Sur ce contre. Oui, à un moment donné. Où on le disait juste avant, Moussa Fati, ça commence à manquer un petit peu de jus. Il n'a pas pu revenir assez vite. Il n'y a rien à dire sur ce contre. Avec ce ballon qui est remis plein axe et qui t'a trompé donc. But de Gagnon. Pierre Laborde. But de Loïc Gagnon. 87e minute de cette rencontre. Bon, il va falloir serrer les rangs. Parce qu'il doit rester au bas mot entre 4 et 5 minutes peut-être d'arrêt de jeu. Alors, on avait une équipe de Romorantin tellement inoffensive qu'on s'est un petit peu découvert à Bergerac, grisé d'aller en rajouter un autre. La sanction est tombée, il faut être un peu plus sérieux sur ces dernières minutes tout simplement.
peut-être un peu moins monté pour Moussa Fati et Nathan Ben Moussa. Attention, oui. il y avait enjeu, hein. Voilà, il était un petit peu seul dans le dos de la défense, mais il y avait enjeu. Et là, monsieur l'arbitre qui va rappeler à l'ordre. Non. Axel Tressens, qu'est-ce qui se passe, ça? On demande non, à César, César Netto, pardon. On se demande à César Netto de sortir, on a du mal à savoir. Il manque quelque chose. Quelle raison? Pas de protège, non, je sais pas, il y a quelque chose sur la chaussure, sur le protège. Tibia. On va jouer à 10. On va jouer à 10. Attention dans ces derniers instants pour les Bergeracois, ne pas se déconcentrer, se laisser balader. Il faut serrer les rangs. Sérieux. Ah, il a bien joué. Axel, le ballon. Dommage, il était tout seul au milieu d'une forêt de verre. On ne va pas se découvrir, on le voit là, Axel Tressin seul devant, on a fermé les espaces. Fatigue, il s'est un peu jeté, Sam Ducrot a bien protégé son dos. Et on demande à faire rentrer César Netto, donc on va contrôler l'équipement par monsieur l'arbitre cette fois. On ne sait pas ce qui s'est passé en fait, visiblement, pour ne rien vous dire. Un problème de protège tibia. Ouais, il me semble, j'aurais dit ça. Alors peut-être des protèges tibia pas conformes. Et remise en jeu. Allez. Allez, Christian. Ouais, bien joué. Grand pont de Christian. César Netto est parti dans la profondeur. Oh non, c'est compliqué là, Christian. Bon, là, c'est pas. Non, c'est pas ça du tout. Allez. Allez. Bergeracois qu'il faut. Allez, faire l'effort là-bas à gauche. On remonte le ballon un peu trop facilement pour Morantin. On se fait balader, attention, corner, on se fait balader. On n'aime pas ces fins de match, Sylvain. Attention, tous les Romorantinés montent, à l'exception de Noah Courtin. On s'est dégagé, attention. On va la remettre. Allez, Pierre, ouais, c'est bien. Bien entendu. On se calme, voilà, on va gagner du temps. Il a... Au départ, son premier réflexe a été de jouer vite. Puis il s'est mis au sol. On va se calmer. Ouais. On arrive. Moussa Fati. Ouais, Moussa Fati. Allez, il faut pas la perdre dans la mousse. Hein. Ouais, bien joué. On change d'aile. Allez, on prend le temps là-bas à droite. 3 minutes minimum. Et on est entré dans le temps additionnel depuis 10 secondes. On m'attendait à beaucoup plus pour ne rien vous cacher. Mais tant mieux. Ah, c'est un peu long, dommage. Ça, Axel Tressen pour Patrick Choutang. C'est un petit peu long. Qui va aller mettre la pression au bord de la touche. Gagner 10 secondes de plus et surtout voilà, provoquer une mauvaise relance. Et en attendant, 30 secondes de plus sont passées. Romorantin qui est obligé de passer par sa défense centrale. Allez, 2 minutes 30 encore dans le... Popino qui est extrêmement bas là, il est dans son propre camp. Popino, on ne l'aura balances. Pas vu, Sylvain, on le craignait, mais on ne l'a pas vu en fait. C'est peut-être le symbole de cette équipe roporantinaise qui a des difficultés à construire son jeu et à le trouver, tout simplement, parce que quand on connaît. Attention, parce que pour le coup, y a un ballon il faut dans la toucher. Surface. Ouais. Attention, pas de faute. Gagnon bien serré par deux joueurs, Fatih et Gébo. C'est un vrai poison, hein, Gagnon, c'est pas mal. Allez. Enetto qui suit bien le pressing. Allez, et on a continue. Fait reculer Romorantin jusqu'à la ligne médiane. Axel Tressens qui continue le pressing. Eh oui, c'est Dijonou qui va pouvoir allonger. Ils n'ont pas le choix. Allez. On continue, sérieux. Oh là là, il est pris encore. La Porturon qui sort des points. Et qui obtiendra la faute. Hein. Ouais. Et encore, Loan Husson pris dans son dos. Ouais. Alors, numéro 10, sortie, s'il restait par terre, il vaut mieux parce que... Cette sortie de l'aventure nous rappelait malheureusement un peu celle de la semaine dernière. Ouais.
Voilà, 88e minute, voilà, ça s'était pas forcément bien passé. Il avait voulu se saisir du ballon en sortant à l'angle de sa surface. Malheureusement, il avait échappé. L'attaquant avait pu marquer dans le but vide pour une victoire, une défaite 1-0 pardon, de Bergerac. Cette fois, il y allait avec beaucoup plus d'autorité, les points en avant. Il a obtenu la faute, alors il n'en ressort peut-être pas indemne. Mais ce qui compte, c'est le score. Et avec une sortie de la sorte, il a pris moins de risques. Allez, Pierre Laborde qui se fait soigner. On est vraiment dans les derniers instants de cette partie. Il doit rester encore une ou deux minutes, peut-être, Sylvain. Ouais, quelques secondes, mais le temps que Pierre Laborde soit soigné, on est proche de la fin. Bergerac qui, avec cette victoire, va revenir à égalité avec Romorantin. Alors qu'on a un cadreur qui exprime sa créativité en cette fin de rencontre. Voilà, on est au bout du bout. C'est relevé. On va dégager. Allez, long ballon, Mamadou Kamissoko. Allez, ah, dommage. T'es pas loin de passer entre les deux défenseurs, Tressens. 2 minutes supplémentaires. C'est logique, hein. Pierre Laborde était resté 2 minutes au sol. On en rajoute 2. Il ne reste cependant qu'une minute 30. Bergerac mène toujours 4-2. Allez, il faut être sérieux jusqu'au bout. Pas prendre de troisième but. Quatre buts, ça peut avoir son importance, hein, Sylvain, à la fin du championnat. Notamment dans les goals à virage. Attention, long ballon, non, c'est fini, ouais, c'est personne. Pour Pierre Laborde, sans problème. Il reste toujours 1 minute dans ce temps additionnel. Long ballon, Pierre Laborde. César Neto qui n'a pu se saisir de ce ballon. Lucas Dumais qui fait le pressing, ça recule côté Romorantinais. Comme souvent ce soir. Oula, petite faute sur Lucas Dumais. Axel Tressin s'accrochait aussi. Ah oui, non mais là, non. Voilà. Alors on s'embarrasse moins, une grande chandelle. Je pense qu'il va aller mieux. Il reste 10 secondes dans le temps réglementaire. Voilà, long ballon et hors-jeu. Et non, il n'est pas signalé hors-jeu, attention. Ça joue, bon sang, dégagé par Allez, Mamadou, bien joué. Et ça sera un corner. Alors qu'il semblait effectivement royalement hors-jeu. On va faire confiance à monsieur. Alors le temps additionnel de 3 minutes est terminé. Les 2 minutes supplémentaires au temps additionnel sont terminées. Alors est-ce que ça ne serait pas la dernière action, Sylvain? Oula, ça laisse passer. Personne ne la touche. Arzalaï, et c'est au fond. Voilà. C'est au fond, but d'Arzalaï. On prend 2 buts. Oui, mais Mélo Anusson, il peut lever les bras, mais il y en a 3. Hein, donc voilà. Quel dommage. Un relâchement coupable là. Oui, en fin oui, de puis là, depuis la rentrée des trois remplaçants, malheureusement, on a un peu de mal à trouver le jeu. Et attention, parce que il faudrait pas. Il faudrait pas s'exposer. Parce que 4 à 4, c'est pas pareil. Et puis quand on voit que ces fins de match n'en finissent pas. Je sais pas ce qu'on fait là. On a mis 2 ballons sur le terrain du côté de Romorantin. Ouais. Allez. On en est à 6 minutes 10. Voilà, fin du match. Eh bien écoutez, il était temps que ça se termine. On va pas bouder notre plaisir quand même, Sylvain. Cette victoire de Bergerac, elle fait plaisir. Bah alors il fallait tout. Hein. Il fallait bien marquer 4 buts pour pas en prendre. On peut aussi imaginer que si le score était resté à 3-1, on aurait eu un peu plus de sérieux dans les dernières minutes de Bergerac. Malgré tout, on aurait pu s'éviter voilà, ces 2 buts encaissés à la 87e et 96e totalement, minute. Totalement. Surtout que Romorantin ne montrait pas une envie énorme d'aller les marquer ces buts-là. Ils les ont pris parce que Bergerac les a donnés. On est d'accord. En tout cas, la victoire... Oula, Sam Ducrot, il n'a pas l'air...
Il n'a pas l'air très joyeux en rentrant. Il doit y avoir quelques réprimandes. On doit se douter que le garçon n'a pas aimé prendre deux buts gratuitement comme ça, avec un petit peu de laisser aller dans la défense et dans la formation bergeracoise. Malheureusement, c'est pas dans le style de la maison. Et effectivement, on peut comprendre peut-être l'ire et la colère de Sam Ducrot, qu'on connaît comme un gros compétiteur. Effectivement, mener 4-1 pour finir à 4-3, c'est dommage. Bien, bah écoutez, on va simplement aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans les trois autres rencontres. Deux sont terminées, une est encore en cours. Et le bon coup de la soirée, il a été réalisé par la Roche-Vendée Foot, qui est allée s'imposer aux Herbiers sur le score de 2-1, s'il vous plaît. Donc ça va relancer la Roche-Vendée Foot sur ce championnat. Et puis Angoulême et Trélissac qui donc sont à un but partout, et le match évidemment n'est pas terminé parce que c'est un match qui a commencé à 20h. Il doit rester à peu près 20 minutes dans ce match là. Oui. Toujours est-il, Sylvain, que ce score va, on l'espère, peut-être sortir temporairement pour le moment les Bergeracois de la zone rouge. En tout cas, c'est ce qui se passe jusqu'à la journée de demain, puisque les Bergeracois vont remonter au classement. Mais on va évidemment attendre la fin de cette journée de championnat pour y voir plus clair peut-être au classement. Oui, tout ce qui est sûr, c'est que Bergerac peut être enfin soulagé après 4 matchs sans arriver à s'imposer. Enfin 3 points dans leur escarcelle. Forcément, on avance un petit peu plus vite. On va pouvoir se rapprocher du milieu de tableau en attendant de voir, par exemple, ce que fait Saint-Privé, puisque si Saint-Privé ne venait à ne pas s'imposer, Bergerac passerait devant Saint-Privé. Alors, quant à nous, on va vous donner rendez-vous pour le prochain match de ce championnat le 19 avril prochain. Donc ça sera un vendredi, et le Bergerac Périgord-Vessé recevra le Vendée Les Herbiers, qui vient, on vient de vous le dire, de s'incliner sur sa pelouse de 2-1 face à la Roche-Vendée Foot. Match toujours très enlevé entre Vendéens et Dordogneau. Donc un rendez-vous qu'on vous fixe au vendredi 19 avril. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette retransmission. Il me reste à prendre congé. Sylvain, merci beaucoup. Merci Benoît, merci à tous et à tous. Et puis on va juste vous faire entendre la voix de notre cadreur magnifique ce soir. Julien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Je vais me diriger vers ma pause fraîcheur roublonnée avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très très bientôt. Bon week-end.